Dans quelques instants, c'est quoi qui dit? Une émission en direct. Présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux. Administration. Tutoriel. Logiciel libre. Et astuces. Rendez-vous tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Eh bien, salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, on est le mercredi 7 mars 2018 et on va faire toujours la traditionnelle entrée en la matière. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'émission C'est quoi qui dit, épisode 11 déjà. Déjà le 11e épisode, qui va être un petit peu particulier parce que pour une fois, on va pas, comment dirais-je, on va pas faire une présentation de distribution Linux, on va pas faire un tuto, ça va être un petit peu des commandes Linux. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de préparer tout ça. C'est pour ça que finalement j'ai pris un sujet un peu fourre-tout. Et puis bon, en même temps, vous allez apprendre des trucs. Il n'y aura pas vraiment de structure. On va parler de commandes Linux. Alors, je vais essayer de noter au fur et à mesure. Les commandes que je vais passer à telle et telle et telle minute, de manière à essayer de faire un horodatage à la fin de la vidéo, si vous voulez à nouveau consulter le replay et savoir aller vers une commande qui vous ferait plaisir. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va détacher, comme d'habitude, le chat. Voilà, il devrait arriver ici, voilà. Et comme d'habitude, on va mettre le chat d'un côté. Et on va mettre la commande de l'autre. Puisque, bah, on n'a pas trop le choix, on va taper des commandes. Alors, je vais vous lancer un terminal. J'en profite au passage pour vous dire, le temps que le monde arrive, le C'est quoi qui dit, ça a été justement dit là, que le prochain C'est quoi qui dit, il serait au mois de avril, le 4 avril. Je l'ai mis en tant que annulé, parce qu'il est fort probable, vu comment tout se goupille chez moi, aussi bien pro que perso, que c'est possible que ce soit annulé, parce que je ne pourrais pas le faire. Donc voilà, je redirai si ça a lieu ou pas, je vous retiendrai au courant à ce sujet. Je vais en profiter pour saluer tout le petit monde qui est ici. Alors, hop, ce qu'on va faire. Parce que oui, pour la petite histoire, je suis parti du travail il y a à peu près une demi-heure. Autant dire, c'était assez rock'n'roll. Donc, je salue Adeline, Anoxman, Christophe, Fabulous, oh, un Dijonais trop cool, Fabrice Gauguin, Galatil, Jacques, Labrijason, Lionus, Ludovic, ah, coucou, Michael Boniface, Philippe, Sleipnir, yeah! Et j'ai appris que Sleipnir, c'était quelque chose par rapport à la mythologie nordique, là, j'ai appris un truc. Slaughter 13, Ta mère, ton père, super, ça sent l'arnaque, ce truc. Et puis, Tom 4, sans oublier Xavier Demarteau. Alors, ta mère, ton père, attention à tes oreilles. Parce que vu le pseudonyme comme ça, ça sent... Je te guette. Bon, alors, maintenant que j'ai dit bonjour à tout le monde, super, je vais... Voilà, ça marche. On va parler ligne de commande. Et puis, ça va être un peu fourre-tout. Alors, il faut que je pense à peu près tout faire, tout noter. Donc, bon, je vais pas vous apprendre les lignes de commande style CD, MV, etc. Les lignes de commande basiques. Je vais juste me faire un petit dossier. C'est quoi qui dit pour opérer là-dedans. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet du... Comment ? Tu sais quoi qui dit épisode 11, si jamais je peux le faire, je voudrais bien faire un c'est quoi qui dit spécial introduction à Bash. Voilà, c'est l'idée que je veux en faire pour continuer sur la ligne de commande. Mais bon, on verra bien si j'en ai l'occasion. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelques petites commandes. On va commencer par une commande qui permet d'afficher un fichier.
Alors, je vais aller chercher du texte, par exemple, sur Internet, là, sur mon deuxième écran. Voilà. Alors, peu importe. Test. Voilà, je vais écrire des petites choses. Alors, il faudrait surtout que j'ai plein de lignes. Voilà. Histoire de faire un texte assez long. Voilà. Donc, voilà, j'ai un bout de texte. Bon, peu importe. Et puis, ah bah attendez, voilà. J'ai encore même mieux. Hop. Oh. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment à l'arrache. Voilà. Hop là, voilà. Mon super texte généré. Donc là, souvent, pour afficher un fichier, vous connaissez la magnifique commande cat qui permet d'afficher le fichier. Bon, ok, cat test, vous en avez trois plombes. Vous remontez avec la souris fastoche. Le problème, c'est que si vous êtes sur une console avec CTRL-ALT-F2, par exemple, vous ne pouvez pas remonter avec le curseur, enfin avec la molette de la souris. Et donc, il existe deux commandes. Il existe more, que vous connaissez sans doute, qui permet de descendre. Alors, vous voyez là, avec les touches haut, bas, droite, gauche, on ne peut rien faire. On est obligé de descendre avec, avec espace. On descend avec espace. On remonte. Alors, hop, on remonte avec maj espace, je crois. Non, même pas. Donc, vous voyez la commande more, je ne sais jamais l'utiliser. Et du coup, une petite commande que je préfère, c'est less, parce qu'elle est beaucoup plus sympathique. Vous faites less le nom de votre fichier, et là, vous pouvez descendre avec les flèches, remonter avec les flèches, descendre avec les d'une page avec les symboles page précédente, page suivante, et honnêtement, je trouve plus sympa. Voilà. Donc si vous voulez parcourir un fichier, bah, plutôt que de l'éditer avec un éditeur de texte, ou d'utiliser je ne sais trop quoi, more que vous ne savez pas utiliser, moi, j'utilise less. En plus, vous avez tous les raccourcis de commandes qui vont bien, qui sont connus sous VI, c'est-à-dire vous voulez faire une recherche, vous faites slash, et puis vous tapez un bout du texte, donc création, toc, entrée, et hop, il vous met directement ici sur create, donc un petit bout. Après, souvent dans les tutos, on voit la commande more, vous faites la commande blablabla, pipe more. Et là, vous arrivez dans votre truc, par exemple, cat test, pipe more, ça revient au même. Voilà, et là, vous dites, ah merde, c'est more qui a été appelé. Donc, petite astuce, si vous voulez, à chaque fois que vous lancez la commande more, que ça lance less. C'est là qu'interviennent, donc ceux qui me suivent d'habitude ont dû voir cette magnifique commande. D'ailleurs, je suis en train de voir que mon logo, en fait, il n'est pas terrible. Je vais le mettre par là. Voilà. Vous faites un alias. Et donc, le but des alias, c'est-à-dire, je vais mettre un peu plus gros, finalement. Le but d'un alias, c'est faire d'un bout de texte une commande. Je m'explique. Si vous voulez, au lieu de faire less, taper juste une touche, par exemple L, et ben vous faites alias L égale less. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai absolument pas noté à partir de quand j'ai commencé à parler de less. Et maintenant, vous faites L test et voilà, et ça fait la même chose que less. Donc ça, c'est génial. Pour répondre à Tomcat qui dit les alias ne marchent qu'au début, pas après un pipe, eh bien si, parce que si je fais un cat test pipe L par exemple, donc je rappelle mon alias, et ben ça marche. Là j'ai bien mon alias less. Je peux rechercher toujours Z, voilà, hop, ça va en bas, etc. Pour quitter, pas CTRL C, Q, hein, c'est quand même plus propre. Voilà, donc les alias, ça marche. Et ça marche n'importe où, et vous pouvez réécrire une commande, c'est-à-dire que vous en avez marre, quand tapant more, ça vous lance more, et ben si vous voulez remplacer more par less, vous faites alias more égale less. J'avoue, comme ça, ça fait un petit peu bizarre. Sauf que, si vous faites un cat, par exemple, test pipe more, et ben là, ça nous lance quoi? Ça nous lance less, puisque je peux descendre avec les flèches, etc., etc. Voilà.
Et c'est quand même mieux que de supprimer le fichier, enfin le programme mort, faire un lien symbolique vers l'est, etc. Donc les alias, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Alors, ton alias ls sur un ls-color auto ne marche pas. Bah là, si je fais un, bah, par défaut, si je fais un dossier, qu'on fait un ls, tu vois, j'ai de la couleur puisque mon dossier il est comme ça. Et mon alias, tu vois, c'est alors color égale always. Alors essaye avec always. Dans ce cas-là, c'est comme ça pour moi. Mais si par exemple je veux réécrire l'alias ls qui vaut ls-l, voilà, donc pour cette, là si j'ai des espaces, je mets ça. Si je fais un ls, ça marche ici. Et si je fais cd, ben oui, mais c'est chaud de faire un ls dans un pipe, alors je sais pas comment tu fais un alias après un ls avec un pipe. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais si tu as l'exemple en tête, on pourra faire le test. Voilà, donc ça c'est ls. Toujours en parlant de fichiers, je vais générer un petit fichier, donc je vous montre le truc, mais je m'étendrai pas dessus. Donc je vais 100, je vais faire un fichier do echo dollar i dans nbs done. Voilà, donc ça doit faire un truc. Oui, forcément. Voilà. Donc là maintenant, si je fais un petit less de mon nbs.txt, voilà, j'ai un fichier avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 100. Si vous voulez voir juste les. Ah bah si tu fais un ls dans toto.txt, c'est normal qu'il n'y ait pas la couleur. C'est normal qu'il n'y ait pas la couleur. Dans le fichier, de fait. Donc là, attends, je vais quand même noter 15 minutes. On va parler d'autres choses. Donc là, je vais parler des commandes head et tail, que vous connaissez peut-être. Vous avez la commande head et vous mettez le nom du fichier nbs. Et par défaut, ça vous affiche les 10 premières lignes du fichier. On a head et on a tail pour ce qu'il y a en bas du fichier. Donc tail nbs va m'afficher de 91 à 100. Voilà, super. Si vous voulez changer cette longueur, par exemple, vous voulez afficher les 20 derniers caractères, vous mettez tail carrément moins tiret le nombre, donc tel moins 20 nbs, et ça vous affiche les 20 derniers nombres. Yeah! Donc ça, c'est un petit truc sympa. Je vous explique le truc, c'est-à-dire que si vous voulez pas vous casser la tête à trouver une commande qui fait je ne sais pas quoi, et que vous voulez afficher la 50e ligne de votre fichier, juste la 50e ligne, si vous faites head moins 50, donc là ça marche aussi, hein, nbs, ça va vous afficher de la ligne 1 à la ligne 50. On montre, voilà, donc de 1 jusqu'à 50. Ben, si vous voulez afficher la 50e ligne sans vous casser la tête, vous combinez les deux, c'est-à-dire vous faites un head moins 50 nbs, vous affichez les 50 premières lignes, et après vous faites un pipe tail moins 1, c'est-à-dire vous affichez uniquement la dernière ligne de ce que vous avez. Donc là, ça n'affiche que la ligne 50 ici. Voilà. Donc affichez la 50 dernière ligne. Voilà, vous pouvez enchaîner les commandes comme ça. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Et à la commande tail, il existe une autre valeur. Donc pour ça, c'est tail avec l'option -f. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est pour afficher le contenu d'un fichier, et si le fichier se remplit, la console affiche ce qui se remplit. Je m'explique. Pour ça, je vais me connecter en route. Voilà. Et si je fais un tail moins f, ça vous avez sans doute vu, de var log message, là où vous avez les messages du système. Voilà. Ici, on a les messages du système qui s'affichent. Si des messages apparaissent en plus,
Par exemple, typiquement, là je vais en générer un. Ah, que je ne sais plus écrire. Coucou, voilà, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, pouf, je génère un message dans les logs. Ici, bah, automatiquement, avec tail-f, il vous affiche la suite des infos. Voilà, donc si je réécris encore quelque chose dans le truc, il va automatiquement compléter et continuer d'écrire ce qu'il y a à écrire. Voilà, c'est quoi qui dit test? Boum, voilà. Donc ça, c'est le tail-f. Donc ça, c'est une petite commande. Ça peut être sympa pour faire un petit peu de débugage. Et puis que vous voulez voir les messages qui s'affichent au fil de l'eau sans à chaque fois retaper la commande pour voir le fichier. Ou, par exemple, less qui, bah, une fois qu'il ouvre le fichier, bah, s'il y a des choses qui s'affichent encore, 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 less n'est pas forcément mise à jour. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce avec tail-f. Maintenant, vous avez vu, j'ai lancé ma commande, par exemple, tail-50 nbs pipe tail-1. J'ai envie, pour une raison x ou y, de retaper cette commande. J'ai envie de retaper cette commande, mais elle est super longue, et puis j'ai pas envie de faire flèche du haut, puis rappeler la commande. Et bien, vous avez un truc qui est assez sympa dans Bash, vous tapez deux fois point d'exclamation, et en tapant deux fois point d'exclamation, ça rappelle la dernière commande. Donc vous faites point d'exclamation, et donc ici, ça réexécute la commande. Vous allez me dire, je vois pas trop l'objectif du truc. Il n'y a peut-être pas d'intérêt, mais moi j'en ai un intérêt. Vous lancez une commande, par exemple, tail-f var log message. Boum! Il vous dit permission à lecture non accordée. Vous dites merde! Faut que je retape la commande. Alors je fais ça, sudo, c'est pénible. Donc vous faites sudo deux fois point d'exclamation, et ça vous lance automatiquement sudo tail-f var log message. Vous mettez le mot de passe magique qui va bien, et ça vous le fait. Voilà, donc ça c'est un intérêt du point d'exclamation deux fois. Voilà, donc ça c'est le, voilà, c'est ce que dit Serge, mais le temps qu'il écrive, voilà, c'est arrivé. Donc voilà, c'est quand vous avez une longue commande, et que bah, voilà, vous la lancez pas en route, vous faites sudo point d'exclamation, et puis voilà. Vous pouvez relancer votre commande assez rapidement, assez facilement. Donc ça, c'est assez sympa. Donc je voulais vous montrer ça parce que je trouvais assez sympa. Et comme d'habitude, j'ai oublié de noter dans mon neurodatage que je parlais de cette commande à un instant T. Bon. Voilà, on a vu des petites commandes assez sympas. Maintenant, toujours en parlant de less ou de cat ou de ce que vous voulez. Des fois, vous avez des fichiers. Par exemple, dans proc, là, j'ai un paquet de trucs. Vous l'avez sans doute. Et donc ici, on a, par exemple, un fichier config.gz. Je prends celui-là parce que je sais qu'il existe ici. Ouais, je pourrais montrer quelques commandes IP. Il ne faut pas que je me gourre pour éviter de me retrouver sans réseau, mais je pourrais en montrer. Je note. Je note. Alors là, je vais noter aussi 21 minutes. Je vais parler de quoi? Des commandes Z. C'est-à-dire que là, vous avez votre fichier config.gz. Vous voulez voir le contenu du fichier config.gz. Vous faites less config.gz et là, vous dites... Alors, config.gz, je ne sais pas si j'ai le droit de lire ça. Alors, mauvais exemple. Mais à mon avis, c'est interprété par le système. Vous faites un less sur config.gz, il sait automatiquement voir le contenu du fichier texte. Bon. Manque de bol. Mais peut-être que ça ne fonctionne pas tout à fait sur toutes les distributions comme ça. Donc il existe un certain nombre de commandes qui commencent par Z. Donc je vais vous les montrer ici. Vous avez zcap, zcat, zdiff, zgrep, zfgrep, zgrep, zik, ça doit être un alias que j'ai fait. Et vous avez zless, zmore évidemment. Et donc ça veut dire que si vous faites un zmore... ou un zless, hein, par exemple, de config.gz, il va lister le fichier, mais au préalable, le décompresser, s'il est utilisé avec gzip, pour vous l'afficher dans un format très clair. Donc vous avez ces commandes-là, z quelque chose, donc vous voulez faire un, par exemple, grep, je sais pas moi, btrfs dans config.gz, là, il n'y a rien du tout.
Par contre, avec un Z-grep, ça marche mieux. Voilà. Donc là, pour le coup, le Z-grep va permettre de dézipper, dgzipper si vous voulez, le fichier config.gz pour le rendre lisible. Et après, eh ben, il va lancer un grep, quoi. Donc c'est l'équivalent d'un gunzip, votre fichier, pipe, grep et ce que vous cherchez. Donc ça, c'est assez sympa. Et vous avez les mêmes commandes avec bz quelque chose. Vous avez bzgrep, bzdiff, bzcap, bzmore et bzless qui font la même chose sur des fichiers compressés avec bz2. Voilà. Donc ça, c'est les commandes, voilà. Des commandes zip et bzip. Donc maintenant, cd tiret, tiens, je fais un cd tiret, je vais en profiter pour vous expliquer cette commande. Si vous faites cd slash home slash ce que vous voulez, vous allez dans un dossier. Vous pouvez faire cd tilde, vous allez dans votre dossier personnel. Cd tout court, vous allez dans votre dossier personnel. Et ben moi, j'utilise souvent cd tiret. Alors du coup, il faut que je note que j'en parle à 23 minutes. Voilà, cd tiret. Et en fait, CD- ça fait un CD dans le répertoire où vous y étiez précédemment. Voilà. Donc, vu que précédemment, j'étais dans Home Adrien TMP, c'est quoi qui dit, je retourne dans Home Adrien TMP, c'est quoi qui dit. Cette commande, elle prend en paramètre une variable qui est le nom du chemin précédent, qui doit être la variable, alors là, c'est de la totale impro, je n'en sais rien, qui doit être old pwd. À vérifier. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc si vous faites un cd tiret, hop, on retourne là où on était avant. Et cd tiret, hop, je retourne là où j'étais avant. Donc petite astuce au passage. En gros, c'est cd slash proc, hop, et là, je rembobine. Je rembobine. Et je reviens où j'étais avant. Voilà. C'était histoire de caser un petit coup, un petit son là pour vous réveiller. Alors, dans notre répertoire, alors là, j'ai toujours ma commande ls. Et là, si je fais ls, forcément, il me mémorise mon alias, là, ls-l. Donc, pour enlever un alias, vous faites un alias ls. Et là, si je refais mon ls, pour le coup, il me reliste mes dossiers. Mais ça m'enlève tous les alias que j'avais fait avec cette commande ls. Donc du coup, mon ls-color égale always, ben, il n'est plus mémorisé. Hein. Donc, je refais mon alias, ls égale ls-color égale always. Voilà, si je refais mon ls, ça redevient comme j'étais. Alors, juste avant d'aborder la prochaine commande. Est-ce qu'il existe un site internet avec la liste des commandes Linux? Alors, il en existe un paquet. Sur linuxtricks.fr, j'ai fait un article avec, le top 50 des commandes Linux de base, avec des trucs assez sympas. Bon. Voilà, mais après, bon, c'est des commandes... Il y en a tellement une tonne que... Bon. C'est difficile de savoir... Je veux dire, si tu veux savoir la liste des commandes Linux, tu regardes, tu fais un, je pourrais même dire, tu fais un ls slash bin, hop, t'as la liste de pas mal de commandes, ls slash sbin, t'as plein de commandes, ls usr bin et t'as plein de commandes, alors ben, t'as des commandes et des programmes pour le coup. C'est délicat de trouver un site qui recense les commandes parce qu'il faut savoir quelles commandes font quoi. Mais il y en a un paquet des commandes. Donc là, je reviens à mon dossier. Je voudrais vous parler de la commande grep. Je vais vous parler de la commande grep, donc à 26 secondes 50. Voilà, je note. C'est qu'en fait, souvent, on veut compter le nombre de lignes. Par exemple là, dans mon fichier NBS. Je voudrais compter combien il y a de lignes qui contiennent le chiffre 1. Alors, comment on retire un alias? Je l'ai dit juste avant, là. C'est la commande unalias. Donc, je veux lister, je veux savoir combien il y a de lignes qui contiennent le chiffre 1
dans mon fichier nb.txt. Donc ce que les gens vont faire, c'est cat nbs pipe grep 1. Je suis sûr que vous pensez à cette commande, pipe wc-l. Vous pensez à ça. 20. J'ai 20 lignes qui contiennent le chiffre 1 dans mon fichier nbs. Super, super. Le mec, il fait ça, il est content. Mais il y a la possibilité de faire ça en une seule commande. Et cette commande, c'est la commande grep. Comment on fait? Eh bien, réfléchissons. On a réfléchi. Et en fait, si vous avez un doute sur une commande, vous pouvez faire un man de la commande. Man grep. Voilà. Vous avez tout le manuel de la commande. Eh bien, vous verriez dans cette commande grep que vous pouvez faire un grep et directement le nom du fichier nbs, magnifique, et vous avez grep, ce que vous voulez chercher dans le fichier, donc grep 1 nbs. On a la liste des lignes. Maintenant, on veut compter combien on en a. Eh bien, c'est simple, il y a un magnifique argument dans grep qui s'appelle -c et qui compte le nombre de lignes, et vous avez 20. Donc on a le même résultat que notre super commande de la balle qui tue qui faisait ça. Alors vous allez me dire, oui bon d'accord, c'est un peu faire de l'optimisation pour pas grand chose. Mais si vous voulez faire des gros scripts qui vérifient, qui écrit dans des fichiers, ou vous voulez voir dans votre fichier vous avez un certain nombre de lignes, etc. Là au lieu d'appeler trois commandes, cat, grep, wc, vous en appelez qu'une seule qui s'appelle grep. Donc ça, c'est trop de la balle. Donc avec la commande grep-c, vous ne connaissiez peut-être pas, mais vous avez directement ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est assez sympa. C'était la commande grep-c. Il y a une autre commande qu'on peut utiliser dans les scripts qui est la commande sed. Alors la commande sed, je vais noter 29 minutes et 50 secondes. Je parle de sed. Sed, c'est une commande qui permet de faire plein de choses, manipuler du texte, man sed. Voilà, c'est un stream editor for filtering and transforming text. Yeah, super accent. Vous avez vu ça, c'est trop de la balle. Et en fait, bon, vous avez plein d'options. Je vais vous en montrer une qui est assez sympathique. C'est pour remplacer du texte. Par exemple, on fait echo. Bonjour Adrien. Comment ça va? Alors là, le problème étant, c'est qu'on va peut-être mettre des guillemets, histoire que ça se passe bien. Ça m'écrit dans la commande bonjour Adrien, comment ça va? Maintenant, je veux remplacer du texte, c'est pour illustrer avec sed. Je veux remplacer Adrien par Adeline. Eh bien, on va lancer notre commande précédente. On va faire un. Donc on pipe, c'est-à-dire que ce qui sort là, on va le re-rentrer dans la commande sed. On va lui dire option-e, puisqu'on va exécuter une commande avec sed. La commande qu'on va exécuter, on la met entre guillemets. Et ici, avec sed, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer la substitution. Donc, en fait, c'est l'opération qu'on fait. Slash la chaîne à trouver, donc Adrien, slash la chaîne, ce qu'on va remplacer, voilà. Et si on fait ça, évidemment, il faut terminer par un slash, voilà. Ça m'est écrit, bonjour Adeline, comment ça va? Si on met plusieurs choses, tu es là Adeline, et qu'on continue, hop, il remplace toutes les occurrences. Si vous avez plusieurs lignes, il est fort probable que ça remplace peut-être pas de manière globale, donc vous pouvez mettre un petit G à la fin qui permet de remplacer de manière globale sur tout un fichier ou sur toute une chaîne, etc. etc. Après, si
En fait, ce petit S là, c'est des commandes. Si vous utilisez l'éditeur VI, vous les réutilisez dans VI. Exemple. Ah bah oui, non, mais je suis con là. En même temps, c'est pas près de marcher. Voilà. C'est parce que c'est ça que je voulais écrire en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que Serge me disait. Donc là, ici, avec le -s, il ne remplace qu'une seule occurrence. Bonjour Adeline, comment ça va? Tu es là, Adrien. Et là, si je mets un petit G, il va remplacer toutes les occurrences de manière globale. Bonjour Adeline, comment ça va? Tu es là, Adeline. Voilà, c'est tout. Donc là, c'était la commande sed. J'espère que ça vous plaît. Et finalement, bon, elle est un peu imbuvable des fois, cette commande sed, mais quand on a l'habitude de l'utiliser, bon, ce qu'on en a à faire, on s'en sort pas trop mal quand même. Donc, 33 minutes 40 du live, on va parler de la commande find. Bah ouais, on va parler un peu de la commande find quand même, ce serait sympa. Alors, pour parler de la commande find, je me mets en route. Voilà. Et puis, je vais me mettre dans un dossier où j'ai beaucoup de fichiers qui datent un peu de tout le temps. On va aller dans Varlog. Ça me semble pas mal. Donc, la commande find, vous faites man find. Comment c'est dur à dire tout ça. Vous avez toutes les aides de la commande find. Blablabla. C'est imbuvable. Donc, on va voir ensemble 2-3 petites astuces. Vous voulez trouver un fichier qui s'appelle message. Vous voulez trouver un fichier qui s'appelle message, vous faites find, vous devez dire où est-ce que vous cherchez, donc point, ici, sinon vous pouvez faire find var log, ça revient au même, et vous mettez le mot message. Si vous faites ça, il va vous chercher des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que vous voyez, il y a plein de trucs qui sont ici, là. Et puis là, il vous colle un message. Bon. D'ailleurs, c'était pas le comportement que j'avais attendu. Si vous mettez -print, ça fait la même chose, puisque l'option -print qu'on voit dans... Je viens d'oublier de ce que je venais de dire. L'option, voilà, -print, elle est contenue maintenant dans find par défaut. Donc là, on a tous les trucs qui contiennent message. Donc là, on a tout ce qu'il a parcouru. Bon, d'accord. Je m'attendais pas à ça. C'est pas grave. Si vous voulez chercher tout ce qui contient message, bah, vous mettez des étoiles. Hein. Vous pouvez utiliser les caractères Joker. Donc là, il trouve rien, étonnamment. Je suis en train de me dire que je ne sais pas trop ce qu'il me fait. Donc je ne sais plus utiliser la commande find, hein, c'est assez incroyable. Mais en plus, c'est varlog message, il n'y a pas de S. Donc qui commence par message, qui contient un message, ou qui termine par message. Voilà. Alors le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi il me fait tout ça, là. J'ai un petit trou de mémoire. Et oui, parce qu'en fait, il faut tirer name, voilà. Merci, non mais, merci Tomcat, il y en a au moins un qui suit, c'est pas mal, et qui connaît la commande, incroyable. Oui, je suis dans le truc du live, je suis rentré il y a une heure, même pas, la fatigue se fait sentir, mais... Merci, voilà, tirer name message, donc qui contient message, qui termine par message, donc là forcément il n'y a rien, qui termine par message avec un S, là on en a un, et voilà. Donc ça c'est tirer name, bah oui, j'ai oublié. Maintenant, si on veut chercher par exemple tout ce qui contient Apache, ici, on a un dossier et là, on a probablement un fichier. Si on veut chercher que les fichiers, donc je vais virer le print parce que ça sert à rien, vous avez l'option -type F
Et donc là, vous avez la commande type F, et donc là, il ne vous affiche que les fichiers. Donc ça, c'est assez sympa. Vous mettez type D pour directory, il vous trouve que les dossiers. Cool. Vous voulez, genre, je reviens, je renlève mon type là. Par exemple, on a, je reviens avec mes fichiers messages. Je voudrais voir par exemple que les fichiers qui ont été modifiés dans les dernières 24 heures. Comment on fait? Eh bien, tiret M time plus 24. Et donc là, ça vous affiche les... quoi que non, c'est les 24 hours. Non, je ne sais plus. Oh, je fais n'importe quoi. Qui ont été modifiés dans les dernières 24 heures. Dans les... Au-delà des dernières 24 heures. Pardon. Je recommence. Je rembobine. Qui ont été modifiés dans les dernières 24 heures. Pardon. Moins 24. Donc dans la date est moins 24. Ok. Ces fichiers-là ont été modifiés il y a moins de 24 heures. Alors pourquoi celui-là a été modifié il y a moins de 24 heures, j'en sais rien. Ça me semble un petit peu bizarre. Le 25 février, c'était pas il y a 24 heures, mais enfin bon. Il me semble que par défaut, M-Time prend des heures. Non, c'est des jours en fait. C'est des jours. Regardez, on ne sait plus ce qu'on fait. Pas grave, man, find. Et on va chercher M-Time. Voilà, toujours avoir la réflexe man. Ouais, c'est un ratio de 24 heures. Et on utilise M-Min si on veut des heures. Voilà. Donc on va déjà faire ce qu'on a besoin. Donc M min. Donc 3600. Non. Des minutes en jour, ça fait 60 fois 24. Ok, super. 1440. Donc tout ce qui a été modifié il y a moins de 24 heures. Message. M min pour des minutes. Sinon moins de 24 heures, bah ça aurait été effectivement M time moins 1. Voilà, ça revient au même. Moins 1 jour. Au-delà d'un jour, plus 1. Donc là, on a tous les autres, sauf message normal, qui est en cours d'utilisation par les logs. Attends, je suis un peu bête, parce que dans mes scripts d'épuration de sauvegarde, j'utilise le mTime avec le nombre de jours, pour épurer tout ce qui a plus de 14 jours. Et là, je me rappelle plus. Bon, c'est sans doute, j'allais dire, le stress du direct, ou je sais pas. Voilà, c'est... Petite bulle dans le cerveau là qui sort et derrière. Voilà, donc ça c'était la commande find. Maintenant on va parler de la commande. Alors j'en avais parlé dans une vidéo, mais je vais en reparler si vous n'avez pas vu la vidéo, parce qu'elle est un petit peu vieille. Donc on va en parler à 40 minutes et 30 secondes. Voilà, c'est la commande screen. Donc la commande screen, c'est un. Screen en fait, c'est un multiplexeur de terminal. Donc si on, il faut l'installer, hein, c'est pas une commande qui est contenue par défaut dans le système. Donc voilà, c'est un screen manager, donc un gestionnaire d'écran, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça permet de faire plusieurs tâches en même temps dans sa console. Typiquement, vous voulez voir, vous développez une application, vous faites je sais pas quoi, vous voulez voir ce qui se passe dans le fichier varlog message. Et puis vous voulez pas rouvrir un autre terminal et vous voulez faire autre chose en attendant. Ou vous voulez lancer une commande longue à dérouler, je sais pas, une compression, vous voulez pas relancer un terminal, et ben vous pouvez utiliser la commande screen, donc screen-s. Vous mettez un nom, donc là par exemple je vais mettre log, n'importe. Ça vous ouvre un terminal, un nouveau bash, vous voyez, parce que là le 1 c'est la première commande, et vous pouvez lancer ce que vous voulez. Donc par exemple, sudo tail-f var log message. Voilà. Là mon var log message va se faire, hein, donc il va se passer des choses. Et là, vous voulez lancer une autre commande. Vous faites CTRL A puis D. Et vous voyez ici, c'est marqué détacher. Et donc ma commande varlogMessage, elle est détachée. Et là, je peux continuer, je peux faire un stop, je peux faire des choses,
je peux faire écho coucou, je peux continuer de faire des choses. Et si je lance une commande dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard, la commande PS. Alors je vous la lance comme ça, je l'expliquerai après. Et puis que je regarde si mon tail est toujours en cours, et bien vous voyez ici, j'ai mon cours, mon sudo tailf varlog message, il est lancé derrière. Et si je veux récupérer ma commande qui est en cours de fonctionnement, toujours avec cette commande screen, je me rattache avec -r et je me rattache à mon screen log. Voilà. Mieux encore. Screen peut être un moyen assez sympathique. Donc là, quand on fait exit, hein, on quitte le terminal, ça quitte le screen. Si vous voulez voir les sessions que vous avez en cours, vous faites un screen ls et vous voyez ce qui est en cours. Je vous montre une utilité de screen. Notamment, c'est quand vous avez un étudiant que vous voulez former ou que vous voulez montrer à votre collègue que je n'ai pas d'ailleurs, un truc que vous voulez expliquer, que vous êtes au téléphone avec lui, puis que vous voulez taper des commandes et qu'il voit en même temps ces commandes. C'est pas l'option -r. C'est pas l'option -r qu'il va falloir utiliser. C'est autre chose. Donc, je vous prends un screen, par exemple, screen démo. Voilà. Et là, je vais taper des commandes. Votre étudiant qui apprend, votre collègue, il lance. Donc, il est sur la même machine que vous, avec les mêmes droits que vous, root par exemple. Il fait un screen-ls, vous voyez, on voit mon screen démo. Il est attaché, c'est-à-dire il est attaché dans ma console. Je le détache, il tourne toujours. Si je lance un screen-ls, on voit qu'il est toujours lancé, mais détaché. Moi, je me rattache à mon écran. Screen-r, démo. Je lance une commande, peu importe. Ici, mon étudiant, je lui dis, bah voilà, attends, je vais te montrer comment on utilise la commande free. Pour voir l'espace disponible. Donc je note 44 minutes 40. Je parle de la commande free. Et bien le petit étudiant, il va faire screen-x pour se rattacher à un screen en cours d'exécution. Et donc mon screen s'appelle quoi? Démo. Et là, il voit la même chose que ce que j'ai sur mon écran. Et donc, là je vais mettre ça là. Je sais pas trop comment. Si je vais mettre ça comme ça, voilà. Et moi, je vais, vous voyez, je mets dans mon terminal ici, je vais écrire dans celui-là, free, hop, et l'étudiant, vous voyez, sur son écran, même s'il est pas, il est au téléphone avec vous ou autre, il voit la même chose que ce que vous tapez. Alors, on peut taper dans cette commande, dans cet écran-là, mais on peut corriger aussi dans celui-là. Donc, on a accès aux deux. Donc, on a le même écran. Donc, si vous voulez montrer des trucs en ligne de commande, eh ben vous pouvez avoir deux sessions en même temps. Et puis là, par exemple, l'étudiant, il y a un moment, il dit « Oh, bah, j'en ai marre, je me détache. » Nous, on peut continuer de bosser. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce avec Screen. J'en profite qu'on est toujours avec la commande Free. La commande Free, elle permet de voir la mémoire qui est en cours d'utilisation, donc ce qui est utilisé, ce qui est libre, ce qui est partagé, ce qui est dans le cache, ce qui est disponible. Au total, on voit aussi le swap, sauf que là, franchement, c'est imbuvable ce qui est écrit. Donc vous avez la commande free-h, que vous connaissez peut-être, qui permet d'afficher la mémoire dans un langage compréhensible par l'humain. Donc free-h, ben voilà, il fait un truc humain, c'est-à-dire qu'il convertit les grands chiffres en gigas, les petits chiffres en mégas. Et si vous voulez uniquement des mégas, vous faites free-m, et là vous avez toutes les valeurs en mégas. Donc ça, c'est la petite astuce, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble Free, ben c'est la même chose. J'en profite pour parler vite fait de la commande df, 46 minutes 40, je parle de la commande df. La commande df, c'est pareil, df, je l'ai tapé tout à l'heure, vous avez l'ensemble de vos disques. df-h vous permet d'afficher les valeurs dans des unités compréhensibles, des mégas en mégas, des gigas en gigas. Vous voulez afficher, là je suis dans Home Adrien, TMP c'est quoi qui dit. On veut afficher les informations sur le système du fichier qu'on a là en cours. Là où on est, vous faites
point, vous lui donnez le point de montage ou le dossier que vous voulez. Donc là, df-h point, ça veut dire je veux dans un langage humain les informations sur le remplissage du système de fichiers de là où je suis. Voilà, donc là ça me montre SDA8, c'est monté sur slash home, et voilà. Donc en gros, vous êtes dans slash USR, vous voulez savoir si slash USR est où est-ce qu'il est monté, vous pouvez faire un df-h, point, et voilà. Et on sait que dans slash USR, ça fait partie de la partition qui est montée sur slash, donc la racine. Et donc pour répondre à Tomcat, ça affiche quoi exactement? Et bien ça affiche le système de fichiers, donc là le numéro de la partition, la taille de la partition, combien il y en a utilisé, combien il y en a de dispo, l'utilisation en pourcentage, et où est-ce que c'est monté. Et si vous voulez avoir des infos complémentaires, parce que là il va manquer une petite info, par exemple vous dites, bah oui mais je voulais avoir des infos là où je suis, mais je sais pas c'est quoi le type de fichier. C'est quoi le type de fichier? Eh bien, vous avez l'argument -t, qui est assez utile sur df, qui vous permet en plus d'afficher le type du système du fichier. Donc là, on sait qu'on est en ext4 sur le système de fichier. Je ne sais pas trop où. Non, j'ai que de l'ext4. Ben, c'est simple, hein, df-ht. Voilà. Vous voyez ici que ben, moi j'ai que de l'ext4 sur mes partitions. Home, var calculate, data, media SSD, slash, c'est tout de l'ext4. Et après j'ai des types un petit peu bizarroïdes comme tmpfs qui sont des fichiers, enfin des montages temporaires qui se détruisent forcément au lancement du PC. Voilà. Alors, il y a des systèmes de fichiers autres que les partitions du disque. Alors oui, là par exemple il y a SDA qui est une partition, on la voit pas parce qu'elle n'est pas montée. Donc pour cela on va parler d'une autre commande à 49 minutes et 30 secondes qui est la commande lsblk. Et en fait je vais parler de beaucoup de commandes type ls. Vous avez la commande lsblk. Alors ce qui est bien c'est que je ne fais pas vraiment dans l'ordre de ce que j'ai écrit. Donc lsblk vous permet d'afficher des informations sur vos disques assez rapidement, assez synthétiquement, ce qui est mieux que fdisk, je trouve. Donc là vous avez les informations sur SDA, SDB, et on voit ici que SDA 1, il n'est pas monté, hein, mais on a les infos. Et donc on a lsblk-f qui permet d'avoir full option. Enfin, en tout cas, les informations sur les... pas full option, sur les file system. Et donc ici, on voit que SDA1, qui n'est pas monté, puisqu'il n'y a pas de point de montage, il a l'UID temps, il n'a pas de label, et il est au format UXT4. Merde, je croyais que c'était du BTRFS, c'est pas grave. Donc là, on a les infos ici sur le système de fichiers. Alors, pour répondre quand même à Tomcat, ici, là-dedans, c'est que là, ce sont des systèmes de fichiers un peu pseudo-virtuels, j'allais dire, puisque dev, en fait, c'est la liste des périphériques, donc c'est tout est fichier sous Linux, mais ici, bah, slash dev, c'est des périphériques assez bizarroïdes, hein, je te fais un ls slash dev. Tu vois, ici, on va retrouver tous les TTY, donc c'est-à-dire les terminaux. On a TTYS0, S1, S2, S3, ce sont les ports série. On a ici dev console, qui est la console. On a dev PTS, donc dans dev PTS, qui est un dossier, on va voir tous les émulateurs de terminal, comme celui qui est lancé, là, ma console. Dev SR0, c'est le lecteur CD. Donc voilà, ça, c'est pas vraiment des fichiers. Donc c'est pour ça que dev... ici, dev... DevTMPFS, bah ouais, c'est un système de fichiers un petit peu bizarre. SHM, c'est, je crois, la mémoire partagée. Ouais, c'est ce que dit Serge, la mémoire partagée. Voilà, c'est des systèmes de fichiers qui sont nécessaires pour le fonctionnement. Slash run, on va avoir des informations un petit peu spécifiques, notamment les processus en cours avec leur numéro, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça, c'est des... Et run user 1000, bah, c'est là-dedans qu'on va trouver des infos du fichier qui ont besoin... que le système a besoin de fonctionner pour l'utilisateur 1000, donc c'est-à-dire moi. Voilà.
Donc ça, c'est, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est pas vraiment le but du C'est quoi qui dit, mais je pourrais faire une vidéo un petit peu explicative sur ce qu'est le système de fichiers, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, etc., etc. Voilà. Donc là, j'ai parlé de la commande. Tiens, je vais faire un petit CD. Hop, voilà. J'ai parlé de la commande lsblk qui montre les informations sur les disques. On a la commande ls qui permet de lister les dossiers, enfin les fichiers et dossiers. Et en fait, ce qui est bien dans Linux, c'est qu'on a tout un tas de commandes qui sont, j'allais dire, logiques. Parce que tout ce qui va permettre de lister, bah, ça va être la commande ls quelque chose. Donc, 53 minutes, ls, hop, xxx. Donc, c'est-à-dire que on a lspci qui permet de lister le matériel connecté à la carte mère en PCI, donc c'est-à-dire ici tout ce qui est port VGA, port USB, la carte audio incorporée, VGA, donc les cartes réseau, hein, que ce soit mon Wi-Fi ou mon contrôleur Ethernet, la carte graphique là, donc on a VGA machin et puis on a la Nvidia. Donc voilà, ça c'est LS. PCI, si vous voulez avoir des informations sur les ports USB, LS USB. Voilà. Et donc là, on a les informations sur USB. En fait, toutes les commandes qui commencent par LS, il y en a un petit nombre. Et voilà. Donc ici, vous savez que mon clavier, c'est un clavier de marque Dell et qui a des touches multimédia. Que ma souris, c'est une souris Microsoft. Voilà. Vous savez que j'ai un hub USB dans lequel est branché ben, pas mal de choses USB. Donc ici on a la marque, etc. On a une autre commande, c'est lscpu, qui permet d'avoir les informations sur le processeur. Ouais, j'y viens, Serge, avec les options. Donc là, lscpu, ça permet d'avoir les informations sur le processeur. Donc voilà, le modèle, c'est gna gna gna, vitesse maximum du processeur, la virtualisation, les options du processeur, etc. En fait, si on fait ls tabulation, on a pas mal d'informations. Donc lspci, lsusb, on a lsmem, je ne sais pas à quoi correspond cette commande, mais non, c'est pour lire les blocs de mémoire. Alors il faut peut-être être root. Et puis on a lsmod pour voir les modules qui sont chargés en mémoire. Voilà, donc lsmod. Vous avez les infos ici. Et donc, toutes ces options, eh ben, bien souvent, elles ont des options -v pour mode verbeux. Alors, pas lscpu pour le coup, mais en tout cas, lspci, lsusb sont des commandes qui ont la possibilité d'être en mode verbeux. C'est-à-dire, lspci, vous avez ça. Donc, vous avez une ligne par truc. Par exemple, là, mon contrôleur Ethernet. Je vais prendre celui-là parce qu'il est tout en bas de la liste. Vous avez les informations. Voilà. On sait que j'ai une carte Atheros AR8161. Point. Vous voulez un mode verbeux-v, et là on a un petit peu plus d'infos. Contrôleur Ethernet, donc on retrouve la première ligne. On a des infos supplémentaires, notamment le module noyau, si c'est en cours d'utilisation, etc. Et puis la commande lspci permet d'ajouter jusqu'à 3v, donc lspci v, vous avez des modes encore un petit peu plus verbeux. Donc ici on a le statut qu'on n'avait pas avant, et puis vous avez lsvvv. Voilà, pour avoir encore plus d'infos. Alors là, pour le coup, non, ça s'arrête là. Mais parfois, vous pouvez avoir un peu plus d'infos. Voilà. Donc là, on sait même que c'est sur une carte mère d'un Asus N56VZ. Alors moi, j'ai le format 17 pouces. Donc c'est 76VZ. Et donc là, voilà, on a les modules en cours d'utilisation, les modules noyaux utilisés. On a le numéro de révision. Alors attends, je le vois pas le numéro de révision. Là, ça, là. Non, mais on l'avait 100. Hein. Voilà. Rev 08. Et là, je l'ai aussi, Rev 08. Voilà. Donc ça, c'est toutes les commandes ls quelque chose. C'est toutes les commandes ls quelque chose. Donc tout à l'heure, je vais noter 56 minutes 50. Ça dure, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de la commande PS. Donc, j'avais parlé de la commande PS. Souvent, on utilise la commande PS-EF qui permet de lister tous les processus. ROM. Donc là, vous voyez tout ce qui est lancé.
Donc on voit que j'ai mon screen qui est lancé, il y a des trucs un petit peu bizarroïdes, on voit les utilisateurs. Alors je vais vous faire un petit... Là on va piper la commande, puis on va faire un head. Pour voir les 10 premières lignes de la commande. Surtout pour avoir ces en-têtes là. Donc avec ps-ef on a quoi? On a ici donc l'UID, donc je vais prendre juste cette commande là, UID, donc c'est Adrien. Là on a le PID, donc c'est le numéro du processus. Ici on a le PPID, c'est le numéro du processus parent. Donc là 18321 c'est la commande PS. Et le processus parent c'est 16302. Donc 16302 c'est qui? C'est lui. Et donc c'est bash. Forcément j'ai lancé ma commande via ma console qui exécute bash. Bash qui est lui-même lancé par celui-ci, qui est lancé par mon screen. Bah oui, je suis toujours dans mon screen. Et de fait, vu que screen permet de détacher, eh bien son parent, ce n'est pas le bash d'avant, mais c'est 1. Et 1, c'est qui? Bah c'est init ou systemd pour les distributions utilisant systemd. En fait, 1, c'est le processus, c'est le premier processus qui se lance. Donc quand vous avez processus parent 1, bah c'est tout simplement que votre programme, il est directement lancé par le système. Il n'y a plus d'intermédiaire avant. Vous avez d'autres petites commandes, vous avez stime, donc vous savez quand est-ce que ça a été démarré. Donc vous voyez que la machine a été démarrée à 19h24. On a le TTY, donc ça c'est dans le cas où c'est une commande qui est lancée par une invite de commande. Donc là on voit par exemple que mon bash est lancé dans un terminal virtuel PTS qui s'appelle 5. C'est le cinquième. Le screen-r qui était lancé tout à l'heure, il a été lancé depuis le PTS 3. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon screen, j'ai généré une nouvelle console. Donc ça c'est la liste des consoles. Et si on lance une commande dans la console TTY, par exemple ici, vous voyez, quand on démarre le système, ici le TTY7 qui correspond au CTRL-ALT-F7, la console qui est la 7ème console, et ben on voit que c'est Server X qui est lancé. Et les consoles 2, 3, 4, 5, 6, et ben elles ont leur console qui est prête à se connecter. Donc qui est lancé par le processus AGETTY. Voilà. Donc ça c'est la commande PS-EF. Elle est un petit peu bavarde, donc si on veut réduire juste à ce que l'utilisateur souhaite, par exemple on peut faire -f pour avoir des infos, U, Adrien, et là on ne liste que les processus qui sont lancés par Adrien. Donc on n'a plus les processus de Monsieur Root. Voilà, on n'a que Adrien. Donc ça c'était la commande PS. Je vais quitter mon screen d'ailleurs. Et là, je vais vous parler à 1h00 de quelques commandes qui permettent de regarder l'utilisation du système. Donc, je vais vous en montrer 3, d'une plus basique à une un peu plus complète, mais qui n'est pas forcément installée par défaut. Donc, par défaut, toutes les distributions ont la commande top. Donc, top, ça permet de voir des infos sur le système. Cool, c'est assez sympa pour voir quand il y a un truc qui déconne. Donc là c'est bien parce qu'on voit que OBS qui enregistre et diffuse actuellement utilise 214% de CPU. Donc utilise au moins 2 cœurs. Bon, c'est cool, mais c'est pas très pratique, c'est pas très facile pour naviguer. Ouais, si vous voulez afficher tous les CPU plutôt que la moyenne, alors il faut faire contrôle 0. Non, c'est pas contrôle 0, c'est maj 0. Non, c'est pas ça non plus. C'est 0. Non, c'est pas 0. Non, 0, ça fait autre chose, voyez. Donc il faut prendre en main top, et comme ça... Alors, hop, c'est bizarre ça. C'est un petit peu compliqué. Alors, je ne sais plus comment on fait. Je suis désolé. Non, c'est peut-être bien 1. Attendez, je vais mettre ça. 1. Voilà. Il faut appuyer sur 1. Donc, quand vous appuyez sur 1, vous avez le détail des CPU. Bon. C'est pas évident de prendre en main top. Même si la magnifique touche H, vous avez l'aide ici de top qui est un peu imbuvable. Donc, vous voulez trier par utilisation du CPU. Donc si vous n'avez pas l'habitude, vous êtes comme ça, puis vous dites, comment on fait? Ouf, c'est un peu compliqué. Donc pour ça, vous faites Q pour quitter. Vous avez d'autres commandes, je vais mettre un peu plus gros quand même. Notamment la commande que vous connaissez sans doute, qui s'appelle htop, qui est un top amélioré.
Voilà. Et donc là, on a htop, on a des couleurs, on peut trier par CPU. Hop, j'ai juste à cliquer là avec mon curseur, avec ma souris sur CPU. Même, je clique, time, je clique, commande, je clique. Bon, je clique ce que je veux et puis ça trie. C'est génial. Cliquez là, hop, on clique. Alors, on clique encore une fois, ça filtre dans l'autre sens. Bon, c'est sympa. Vous pouvez faire pas mal de trucs. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais lancer Pluma, qui est un éditeur de texte. Voilà. Et puis vous dites, le Pluma, là, j'ai envie de le plumer. Eh ben, vous pouvez le kill, le truc. Vous pouvez chercher des choses. Donc là, soit on clique sur Search, Filter. Soit vous appuyez sur F4 ici, donc Filter. Ici, on est prêt à écrire. Donc, je cherche Pluma. Voilà. J'ai mon processus Pluma qui est ici. Et là, je peux tuer mon processus directement. Je fais... Alors, j'en ai combien de plumes à d'ouvert? Non, je n'ai qu'un seul. Je fais F9, parce que c'est écrit là, kill. Je fais F9. Seek term. Hop, j'envoie l'extinction. Et pfiou, voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Htop permet de faire des choses assez sympas. Voilà. Donc je vais enlever ça. Vous pouvez personnaliser... Donc moi souvent ce que j'utilise aussi c'est la barre espace. Vous voulez suivre un processus qui à votre avis est un peu bizarre. Vous me dites je voudrais surveiller ce processus. Par exemple celui-là, paf, vous faites un coup espace et là vous avez OBS qui est surligné. Puis vous pouvez suivre. Donc après même si hop, on change comme ça, on descend, on va retrouver voilà notre OBS qu'on a surligné. Voilà. Et bien sûr, on peut personnaliser les colonnes à souhait via l'option F2, Setup. Ah oui, alors, pour plumer Pluma, si vous voulez ça. Voilà, chose demandée, chose due. Donc vous pouvez personnaliser, parce que ici, là, c'est pas trop mal affiché, mais parfois, suivant les consoles sur lesquelles vous êtes, ça peut être mal affiché, donc vous avez l'option F2, Setup. Et c'est pour là qu'il faut l'écrire. C'est de la poudre non. De perlimpinpin. Ah, c'est pas ça que je voulais lancer, c'est pas grave. On peut personnaliser htop et c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Vous faites F2. Et puis là, donc vous avez tout ce qui est disponible. Vous avez la colonne de droite, la colonne de gauche. Donc voyez, vous, ici on a les CPU, on a la mémoire. On peut personnaliser ou amener une horloge. Par exemple là, on fait ça. On sélectionne clock, on fait entrée et puis on la déplace là où on veut. Donc soit à gauche, soit à droite. Vous voyez, puis là j'ai mon time. Bah non, si je montre avec le doigt sur l'écran, si je monte mon doigt sur l'écran, vous voyez rien du tout quoi. C'est voilà. Je fais ça, voilà. Donc vous déplacez votre clock là. Donc elle est ici. Hop, vous pouvez la monter, etc. Donc vous pouvez personnaliser votre écran. Et si vous en avez plus besoin, vous faites del. C'est écrit là en bas, là. Del. Hop, et voilà. Et donc après, bon ça c'est les meters, donc c'est-à-dire les sondes, ce que vous voulez. Vous avez les display options, donc là vous pouvez afficher les processus par vue en arbre, par certaines choses. Vous avez la possibilité de changer les couleurs, donc par défaut c'est default, mais il se peut que ce soit moche, donc vous pouvez mettre en monochrome, voilà, si vous voulez un peu plus de... que ça ressemble à top, voilà, black and white, voilà. Donc vous pouvez changer suivant le terminal dans lequel vous êtes. Certaines distributions ont ça par défaut, ou je sais plus, voilà, ça c'est super moche. Voilà, certaines distributions ont broken gray, qui est des fois un peu plus sympa, surtout quand le terminal est, voilà. Vous voyez, entre default, qui est gris, et broken gray, voilà, on voit un peu mieux les capteurs. Donc on peut laisser ça, puis après les colonnes. Ici, qui était affiché, bon, on peut modifier, pide, pépide, nice, voilà. On peut rajouter des trucs ou enlever des colonnes. Et après, vous faites F10 ou vous cliquez là, hop, et ça s'affiche. Les colonnes, c'est ça que vous pouvez personnaliser. Donc, htop, il est sympa. Il est disponible dans plein de distributions. Il demande que dalle comme dépendance. Donc, ça, c'est sympa. Et le dernier, alors du coup, je vais le mettre dans le redatage à 1h06. 40 secondes, c'est Glances. Glances, c'est un petit programme en Python. Alors, je sais même pas s'il est installé, Glances. Je crois que c'est développé par un Français. Et ça affiche, si vous avez l'occasion de l'installer, je le trouve assez sympa. C'est un espèce de tableau de bord de toute la performance du système en mode graphique.
Donc là, je lance, c'est un peu long parce que c'est du Python. Voilà. Et donc là, sur le tableau de bord, vous avez tout. Et tout. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez la récap CPU mémoire. Donc on voit que là, j'ai 32% de mémoire utilisée. Mon swap n'est pas utilisé. Le CPU est utilisé à 52%. On a le temps utilisateur, temps système, la mémoire, voilà, donc le total, ce qui est utilisé, ce qui est libre, pareil pour le swap, le load, donc c'est-à-dire la charge du système à 1, 5 et 15 minutes, donc ça c'est sympa. Vous avez des infos sur le réseau, donc là on voit ici que ça transmet et ça reçoit, enfin ça reçoit et ça transmet des données, voilà. Donc là, ça reçoit parce que je regarde la vidéo, ce qui est diffusé en même temps. Donc je reçois des données, je transmets des données parce que je fais le live justement. Ensuite, on a les informations sur le disque avec les read et les write. Donc c'est-à-dire on voit quand on sollicite un disque ou pas. Je prends une autre console histoire de faire un petit peu mémuse. Et vous allez voir en fait ce qui se passe si par exemple je sollicite par exemple SDA1. Je sais que SDA1 il risque rien. Voilà. Si je sollicite un peu. Ah bah oui, mais. Alors je vais solliciter SDB1, on le voit là, ouais, ok. Dev SDB1. Donc si je sollicite SDB1 en lecture. Voilà, vous allez voir ici, voilà, hop, read, ça vient ici, donc je sollicite. Et parfois, quand on abuse un peu des bonnes choses, eh bien, les capteurs assez importants, bah, s'affichent en rouge. Donc là, on voit OBS, attention, il consomme beaucoup de CPU. Pareil, la mémoire, on a des choses en gras quand ça commence à faire des trucs. Ici, on a, pareil, l'utilisation des disques. Et donc, Je vais essayer de lancer un truc. Mais j'ai planté ma console. Alors je vais pas le faire longtemps. J'ai planté mon autre terminal. Attendez. Je vais pas le faire longtemps parce que avec le live qui tourne, ça va être catastrophique si je monopolise le CPU à fond. Alors hop, bzip. Je vais faire du bzip 2. Hein. Un truc qui sert strictement à rien, mais. Ça, voilà, hop, je sollicite le processeur à fond. Normalement, voilà, j'annule parce que sinon le truc il va péter un plomb. Donc on voit ici que le CPU il s'est mis en rouge. Si vous avez pu voir que ça a pas trop ramé le temps que l'opération se faisait. Et ici, on a un tableau avec les alertes. Et du coup ici on voit que à 21h07 pendant 7 secondes on a eu des avertissements comme quoi le CPU était assez élevé. Donc là vous pouvez avoir un glances sur un écran pendant que vous faites des tests de performance ou si vous voulez voir pourquoi une machine RAM, et ben avec glances vous avez tout sous les yeux quoi. La consommation CPU, mémoire, réseau, disque, les systèmes de fichiers, enfin bref vous avez tout. Donc ça c'est assez pratique. Donc c'est un petit outil que j'aime bien utiliser, je le trouve sympa et je voulais quand même vous le présenter. Voilà. Et donc là, à ce stade-là, on va faire un petit clear, histoire de nettoyer la console. Je vous ai montré la moitié des commandes que je voulais vous montrer. Et ça fait déjà une heure que je parle. Alors bon, on va quand même continuer un petit peu, même si l'heure de la récré va bientôt sonner. Donc, des petites commandes un peu plus sympathiques. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Parce que j'ai fait un peu tout dans le désordre, finalement. Ouais, on va parler de commandes utilisateurs. On va parler de commandes utilisateurs. Alors oui, il faut que je note pour l'eurodatage. 1h11:40. Je vais parler de commandes qui permettent de voir ce que font les utilisateurs, qui s'est connecté quand. Ça peut être sympa. Vous avez la commande who, c'est qui. Donc who, c'est qui. Et donc là, vous voyez qui est connecté. Donc on a Adrien qui est connecté sur TTY écran 0, puisque là, c'est l'interface graphique.
Donc Adrien est connecté en graphique et Adrien est connecté via une console Dev PTS 0. On est connecté là. Si je prends, si je me connecte sur une autre machine, ou alors, ouais, le who c'est qui, c'était encore une blague nulle, mais enfin bon. Attends, si on peut faire là, s'il te plaît, voilà. Donc, je vais juste squatter un autre PC. Alors, je vais me connecter en Adrien. Voilà. Bon, voilà. Donc là, avec un autre PC, je me suis connecté à ma machine. Si je relance un Who, eh bien, on voit ici que là, Adrien est connecté aussi avec PTS 4 et il est connecté depuis il s'est connecté à 21h10 hein, et depuis bah là pour le coup c'est pas Super Linux c'est ma machine et bah là il s'est connecté depuis cette machine là voilà. Donc là c'est assez sympa parce qu'on peut voir les connexions distantes. Alors l'utilisateur Adrien l'utilisateur Adrien se déconnecte, hop là, il est plus là. Alors ouais, les commandes, je pourrais peut-être faire une vidéo, je vais le noter, sur des commandes spéciales pour stresser son matériel. Disque, CPU, mémoire, même si la mémoire je le ferai pas là parce que sinon je fais cracher à tous les coups mon live. Et clampin, bon, franchement, clampin, ça c'est un sacré pseudo. J'utilise Calculate Linux pour la distribution. Voilà. Donc là, la commande who, je reviens à ma commande who, on voit qui s'est connecté. Donc who a plein d'options. Allez, je vais utiliser -help, voilà. Donc vous avez -all, ce que vous voulez. Donc -all, vous avez plein d'informations. Honnêtement, j'utilise jamais ça. Hein, mais ouais, j'ai peut-être fait la vidéo sur les stress de performance. Peut-être, je sais plus, possible, je me rappelle plus. Donc là, voilà, vous avez plein d'infos. Maintenant, vous voulez savoir, donc là, je vais noter pour l'eurodatage, 1h14:45. Je vais parler d'une commande qui s'appelle la commande last. La commande last permet de voir toutes les connexions, mais aussi les redémarrages du système. Vous la connaissez peut-être pas, celle-là, mais la commande last, regardez ce qu'elle vous affiche. Un paquet de trucs. Alors, on va faire un last pipeless puisque j'aime bien ma commande less. Et là, on voit quoi? On voit que toutes les connexions des connexions que j'ai faites. Donc, c'est-à-dire que là, on voit par exemple que le lundi 26 février, le système, donc reboot, c'est le système, hein, il a été allumé avec ce noyau-là, système boot, hein, à 17h49 et il s'est éteint à 22h13. Ensuite, on voit que Adrien s'est connecté à 17h52, donc c'est-à-dire qu'en gros, Adrien a allumé son PC à 17h49, mais il ne s'est connecté qu'à 17h52 dans sa session graphique 2.0. Ce n'est pas que mon PC met 3 minutes à s'allumer, mais c'est que le bouton il est appuyé, puis je fais autre chose en attendant. Voilà. Ensuite, on sait que le Tuesday là, il a allumé son PC à 7h21, il s'est arrêté à 8h03, que Adrien s'est connecté exactement à la même heure que le PC a démarré, et que il s'est déconnecté à l'extinction du système. Super. Le soir, il se connecte à 19h52 pour se coucher très tard. Donc voilà, on sait vraiment tout. Et par exemple, si vous avez une info comme par exemple hier soir, par exemple hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est lundi soir, je ne sais plus quel jour. Donc cela c'est bien, vous savez à chaque fois que j'utilise mon ordinateur. Voilà, ici, le mardi, je suis rentré à 17h31 et le PC s'est éteint à 8h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fonctionné 14h28, donc ça veut dire qu'il a fonctionné toute la nuit. Voilà. Donc là, vous avez la durée en temps, parce que ça aurait pu durer, ça peut être 8 heures du matin du lendemain, ou 8 heures un peu plus tard. Donc là, mais il n'y a jamais de grand temps. Et là, la première ligne, eh ben vous savez que le PC a été allumé à 19h24,
qu'il est toujours en cours de fonctionnement et que ici, eh ben, je suis toujours là. Donc voilà, Serge constate que je suis sur le noyau 4.14.19 et il constate que ce n'est pas à jour. Voilà. Et donc ici, là, on voit la connexion distante. Hein, Adrien s'est connecté en SSH depuis cette machine-là pendant même pas une minute, mais on voit les connexions distantes sur la machine. Voilà. Donc ça fait un petit moment hein, que je suis sur le noyau 4.14.19. Vous voyez que je ne mets strictement pas mon système à jour régulièrement. Mais il faut vous dire que j'ai vraiment pas le temps de le mettre à jour, donc on verra ça. Et je ne mets jamais à jour, pour info, mon système juste avant un live, c'est quoi qui dit? Sait-on jamais? Des fois qu'OBS déconne un peu. Voilà. Donc là, on a des infos sur les connexions. Si vous voulez avoir des, juste la petite info pour savoir quand est-ce que le système a démarré, vous avez la commande uptime. Uptime. Et puis là, vous avez quoi? Vous avez l'heure. Vous savez que c'est up depuis 1h51 minutes. Qu'il y a deux utilisateurs de connectés. Bah oui, c'est moi en ligne de commande et c'est moi en graphique. Et vous avez des informations sur la charge du système. Voilà. Donc ça, c'est la commande uptime. Pas grand chose à dire. Après, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai lancé Pluma et que je l'ai killé avec htop. Donc je laisse mon Pluma ici. Et je vais à nouveau plumer Pluma. Voilà, cette fois-ci je suis un peu plus réactif. Et par exemple, je veux tuer Pluma. Donc, je vais vous montrer la commande kill. Alors, hop, à 19 minutes, je vous montre la commande kill. Alors, la commande kill, il y a beaucoup de choses à dire. Kill, c'est avec un numéro de processus. Donc, si je veux tuer Pluma, il me faut le PID de Pluma. Donc vous pouvez utiliser la commande ps-ef, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pipe grep Pluma. Voilà, vous récupérez ici le PID de Pluma et vous faites un kill le PID. Donc ici, mon Pluma que je laisse au premier plan, je valide, Pluma est killé. C'est un peu pénible de se naviguer dans PS, faire un grep, etc., etc. Vous voulez récupérer le PID de Pluma. Donc là, forcément, il va changer le PID. Voilà, je laisse ça là-haut. Et bien, vous avez une commande. Dites-donc, vous savez pas comment elle s'appelle? Ouais, vous savez pas comment elle s'appelle? Et bien, elle s'appelle PIDOFF. Donc, notre Pluma, il est là. Et il n'est pas allé au Plumard, le Pluma. Parce que là, Tomcat... Pluma au plumard, ça vaut vraiment le... Voilà. Si vous voulez savoir donc le PID de Pluma, vous avez la commande PIDOFF. PID off. Et vous mettez le nom PIDOFF Pluma. Et là, vous avez le PID de Pluma. Et donc, si là, je mets mon Pluma en plein écran, et que je fais un kill de ce PID-là, on revient au même point. Et encore mieux, vous allez me dire, j'ai pas envie de lancer de commande. Non mais Serge, je veux montrer un super truc et tu... Ah, ça va pas ça. Attends, on a rien vu. Voilà, on a rien vu. On veut qu'il ait le processus Pluma, mais on veut le faire d'une seule ligne de commande. Donc comment fait-on? Les petits malins vont se dire, je veux faire du one shot, je vais lancer kill, et puis je vais carrément lancer la commande PIDOFF pour récupérer le PID en faisant ça. Voilà, vous faites ça, et donc ça va faire un kill, ça va exécuter la commande PIDOFF Pluma, qui va retourner un numéro, et si vous faites ça, vous lancez, super, Pluma est coupé. Mais y a encore plus, mais y a encore plus simple. Alors, mais y a encore. Alors là, le mais y a encore. Moi, je dis, Adrien est en train de bugger. Il y a la commande kill all. Voilà. Alors, ah bah, xkill, j'allais pas en parler, mais je vais en parler du coup. Donc, je relance mon ami Pluma. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous lancez kill all. Pluma. Et boum, ça vous kill Pluma. Alors, attention, par contre, vous avez
L'avantage du PID, c'est que vous pouvez choisir quel pluma tuer. Je vous montre. On prend le pluma numéro 1. On prend le pluma numéro 2. Non, on peut pas lancer un deuxième pluma. On va faire avec Midori. Ça vous va? Voilà. Je lance 2 Midori. Je fais un Pidoff Midori. Oui, si on écrit mieux, ça pourrait le faire. Pidoff Midori, vous voyez, j'ai les deux PID. Donc si je refais un kill Midori, ça me kill mes deux Midori. Vous avez vu, ils ont disparu les deux. Et avec kill all, le problème, c'est exactement le même. C'est-à-dire, vous faites un kill all, et ben kill all Midori, ça vous ferme toutes les instances. Donc, si on met deux L, voilà, ça ferme toutes les instances. Donc, si vous voulez, si vous avez un programme qui a plusieurs, qui est exécuté plusieurs fois, et que vous voulez juste terminer un seul de ces programmes, vaut mieux utiliser le PID. Encore faut-il savoir quel PID est le bon. Mais, voilà, kill all, attention, ça ferme tout. Hein. Ça ferme tout. Donc, Jacques, si tu t'en vas, note que le replay, il t'en est à 1h23, là. Hein. Et donc, du coup, la commande kill all, je ne sais pas à quelle heure je l'ai abordée, à 1h21, par exemple, hein, kill all, là, le pseudo. Et donc, effectivement, ici, xkill est installé sur pas tout à fait toutes les distributions. Mais, effectivement, vous lancez, donc là, vous pouvez lancer xkill, donc là, c'est une application graphique, donc autant la lancer avec les outils graphiques. Donc ici, Alt+F2, Xkill, voilà. Et votre curseur se transforme soit en une petite tête de mort, soit une croix ici, et vous tuez, et ça tue. Attention, Xkill ne fonctionne que si vous êtes sous X. Vous pourriez dire, ouais, non mais attends, le gars, appelle-moi con. Ouais, pas tout à fait, parce que si vous avez... Xkill, enfin si vous êtes sous Gnome, par exemple sous Fedora, et que vous utilisez Wayland, et que vous lancez l'application Xkill, votre terminal, enfin votre curseur va se transformer en une tête de mort ou en une croix. Mais si vous essayez de tuer une application qui est lancée sous Wayland, avec Xkill, eh bien ça ne marchera pas. Et... c'est la boule noire, comme dans Motus. Et pour répondre à No Dream, oui, je joue mes jingles avec le terminal, là, ils sont là, mes petits jingles, là. Donc, voilà, ça, c'était kill, kill all, kill tout ce qu'on veut. Et donc, pour continuer de parler de kill, et non pas de kill bill, kill, en fait, vous connaissez, donc, kill, il y a un camp de kill, souvent, c'est utilisé kill moins 9, donc, en fait, le moins 9, c'est le signal qui est envoyé. Donc là c'est un peu compliqué, je vais rester très très vague, mais à 1h25 là je parlais des signaux, vous avez plusieurs signaux, et donc 9 c'est le je kill brutalement, le kill par défaut c'est kill avec le signal 15 qui est un sick terme, qui est une instruction de je ferme proprement le processus. 9 c'est pas propre, 15 c'est propre. Par défaut c'est 15 qui est utilisé. D'ailleurs si vous voulez avoir la liste des signaux et leur signification, vous les avez dans htop là. Quand vous faites F9 kill, vous les avez là, vous voyez. Donc 0 cancel, vous avez sig up, sig in, sig voilà, vous avez tout ça. Et donc vous voyez ici que le 9 c'est sig kill, donc c'est l'arrêt brutal. Vous avez le sick term, donc c'est je me ferme proprement, et moi je vais vous parler du SIGUSR1. Le SIGUSR1, il est utilisé dans certains programmes pour donner des informations. Par exemple, vous savez la commande DD. DD, c'est moi DD. Bon, ok, laisse tomber. La commande DD. Donc je lance une commande qui sert strictement à rien, qui prend des zéros et qui balance dans dev nul. Voilà, vous avez la commande DD. Vous n'avez pas la progression quand vous voulez copier une clé USB ou ce que vous voulez. Salut Actualia, on YouTube. Vous avez votre commande DD, elle est là, elle est géniale, mais vous n'avez pas la progression. Alors, si vous avez l'information, je vous le dis maintenant... Si vous avez
la solution pour voir la progression dans DD, ne l'écrivez pas dans le chat, je vais l'aborder. Hein? Sinon, attention, ça va, je vais vous zigouiller. Donc, ah oui, le problème c'est que, ouais, dès que ça voit. Ah ouais, alors bit c'est BIT, hein, pas bit BITES. Hein. Donc là, vous avez DD. Je fais quoi? Je lis des zéros pour écrire dans la poubelle, dev nul. Ici, vous voulez avoir la progression. Eh bien, vous pouvez lancer avec la commande kill. Donc là, je vais vous montrer que la commande kill ne fait pas que tuer les processus. Vous faites kill-usr1, et dans le cas usr1, ça envoie un signal utilisateur qui va, dans le cas de DD, nous afficher la progression là où on en est. Donc, attention, là je fais comme ça, pid off DD. J'ai envie de faire comme ça, voilà. Pour récupérer le pid de DD. Et au moment où je valide cette commande, DD n'est pas tué. DD n'est pas tué, parce que DD est toujours en cours de fonctionnement. Mais on a les informations ici de combien ont été lus, combien ont été écrits, combien il a écrit, à quelle vitesse, etc., etc. Donc ça, kill-usr1, vous voyez que kill, ça permet d'envoyer un signal, et pas forcément un signal pour tuer l'application, mais ici, un signal d'information, usr1. Bien sûr, pour parler de la commande DD, à 1h28.00 du live, DD, voilà, parce qu'on va essayer de faire un horodatage à peu près sympa, la commande DD, depuis certaines versions, donc la plupart des distributions style Arch Linux, Manjaro, Fedora, ça doit être à jour, Calculate Linux à jour, puisque je vous le montre là-dessus. La plupart des distributions Linux ont les nouvelles versions de DD, bien sûr, j'ai planté mon terminal, donc ça m'arrive de temps en temps. Merde, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je remets ça en grand. Désolé pour le petit aléa, ça m'arrive de temps en temps. Voilà. La commande DD, si vous avez... donc, DD fait partie de Core Utils. Alors, Core Utils, je ne sais pas si c'est comme ça. Non, c'est tout attaché. Ça fait partie de Core Utils. Et donc, à partir de la version 8.26, je crois, de Core Utils, donc ça date d'un petit moment, il y a une nouvelle fonctionnalité dans DD qui est... avec la commande status égal progress. Et cette petite argument qui est assez sympa, vous faites DD status égal progress, et donc là vous avez la progression de la copie. Et donc j'avais dit que celui qui spoilait cette commande, il allait avoir des problèmes. Donc je te laisse monter dans ta voiture tout de suite, Deadman. En plus il s'appelle Deadman, l'homme mort. Et ben l'homme mort va encore mourir, hein. Tu montes dans la voiture et attention, voilà. Donc status égal progress, voilà. Et c'est vrai que avant d'utiliser ce status égal progress, soit on pouvait utiliser kill usr1, soit je vous donne une petite commande que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle dcfldd, qui faisait plus ou moins la même chose, sauf que voilà, il écrivait comme ça la progression. Bon, c'était moins détaillé que le status progress, mais ça permettait d'afficher au moins des petites infos assez sympa. Voilà, durant la copie notamment des clés USB. Et DD, ouais, ça lit bloc par bloc, bloc par bloc, très précisément. Et pour répondre à Super Mario S, je n'utilise pas ZSH parce que c'est très bien Bash, non? Ça fait le job. Et puis la plupart des distributions Linux que j'utilise, qui sont les serveurs au boulot et compagnie, c'est sur Bash. Donc quand je fais un programme, un script ou autre, je suis sûr que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ceux qui utilisent ZSH dans leur terminal et qui après font des scripts où ils mettent au début de leur script ça... Ça me fait bien rigoler parce qu'ils utilisent ZSH, mais à chaque fois qu'ils lancent leur script, c'est Bash qui a appelé. Après, l'avantage, entre guillemets, de ZSH, c'est pour avoir peut-être un beau terminal, là, un beau truc comme ça, là, devant, ou peut-être une autocomplétion un peu bizarroïde, bon. Après, oui, pour la progression, il y a la commande PV. Alors, la commande PV, je n'étais pas prévu que j'en parle. Alors, je vais parler de la commande PV. 1h32 minutes de live,
Et donc la commande PV, ce n'est pas pour mettre des procès-verbaux, loin de là, mais c'est pour afficher pas mal d'infos. Alors, l'avantage, c'est qu'elle fonctionne pas qu'avec, elle fonctionne avec beaucoup de choses, et ça permet de, d'afficher la progression pour tard, pour pas que pour de la copie ou pour DD. Alors, il faudrait juste que je retrouve la commande de DD. Donc, je vais vous faire une petite démo. J'espère que je me rappelle comment ça marche. Mais par exemple, si vous voulez copier un fichier... Alors, je vais vous montrer déjà avec DD. Vous faites, par exemple, ici... PV. Donc, si je me plante pas, hein, pour faire la DD dev if égale dev 0 OF égale dev nul, vous faites PV dev 0, ce qui est l'équivalent de la lecture, et vous faites un truc de ce style-là, OF DD OF égale dev nul. Et là, ça vous fait un truc, voilà, je vous fais une information sur la copie. Voilà. Donc là, ça vous fait un petit truc sympa. Vous pouvez le faire avec MySQL, hein, pour faire du MySQL dump et voir la copie. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai une base de données assez conséquente. Donc on va laisser tomber. Mais par exemple, bah tenez, je vais faire une clé USB bootable. J'espère que c'est assez gros, ça comme clé USB. Regarde, je te montre. Parce que là, du coup, si on fait PV, ici, merde, vous croyez, j'ai encore... Ah oui, j'ai encore planté mon terminal, voilà, ça c'est le problème du CTRL-C, des fois ça me fait n'importe quoi. Alors, plus, moins. Donc si on fait ça, voilà, on a une truc qui fait comme ça, là, boum boum boum, mais on voit pas la progression. Ouais, pff, d'accord, il n'y a rien sur cette clé. Maintenant, si je veux copier ma clé USB, là, on va avoir une progression assez sympa puisque PV va évaluer la taille de ce qu'il y a à copier et donc va vous mettre une progression en pourcentage. C'était pas prévu qu'on voit ça. D'ailleurs, je vais noter PV. Voilà. Donc là, par exemple, PV, je vais prendre une image ISO. OS, Fedora, par exemple. Fedora Workstation, 27. Voilà. Et donc, là, ça va lire le fichier ISO, et je fais mon petit DD OF égale dev SDC. Je vérifie juste un truc avant. C'est que ma clé USB s'appelle bien SDC. Oui. Et donc, si je fais ça, PV analyse la taille de l'ISO, vous voyez. Et donc, il sait que l'ISO fait un certain nombre d'octets. Et donc, forcément, en fonction de ce qu'il a écrit... Et à la vitesse où il écrit, eh ben on sait combien de pourcentage il a fait et l'estimation du temps restant. Voilà. Ta-da. Exemple de fonctionnement de la commande PV avec DD. C'était pas prévu. Mais voilà. On improvise. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite petit bonus qui n'était pas prévu. Exit. Voilà, j'ai encore planté mon terminal, donc ce qu'on va faire c'est ça, et je le relance. Il faut que je trouve l'origine de ce problème. C'est mon bash RC qui est tellement conséquent que... Voilà, il y a des petites boulettes. Et donc, salut Linux, parce que je crois que t'arrives là, ou je t'ai peut-être vu tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'était la partie PV, qui n'était pas prévue à l'origine. Et PV qui n'a strictement rien à voir avec le procès verbal ou autre chose dans mon domaine. Donc voilà, kill USR1, machin, on a vu, last on a vu, LSBLK on a vu, vous voulez trouver, voilà. Alors, je vais répondre à la question du thème graphique juste après le direct, là je finis, il me reste 3 commandes à tout casser. Et après, dans la dernière petite demi-heure, là, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées, plus le thème. Là, je vais en parler juste après. Alors,
1h37, on va parler de quoi? On va parler d'une commande, non pas la sorcière, Witch, mais la commande Witch. Vous avez un programme, vous voulez savoir où il est. Genre, vous lancez GIMP. Vous dites, mais oui, mais où est-ce que GIMP se situe sur mon ordinateur? Ça fonctionne pour les programmes. Et bien, plutôt que de faire un find slash tiret name GIMP, hop, name GIMP, voilà, et puis d'attendre qu'il trouve le truc, voilà, et puis qu'il me trouve ça dans lib64, et on n'est pas sûr que ce soit un programme, vous avez une magnifique commande qui s'appelle Witch. Et donc vous mettez le nom du programme, Witch GIMP, et il vous sort où se situe GIMP, et de plus, de manière la plus rapide possible. Donc ceux qui s'en vont noter là, ça fait 1h38 si vous voulez reprendre là où on s'en est arrêté. Donc Witch GIMP permet de voir où est-ce que GIMP se situe. Alors vous avez d'autres commandes qui sont locate, alors elle n'est pas installée chez moi. Locate, il faut installer un programme, c'est pas installé chez moi. Vous mettez locate, vous pouvez mettre le nom d'un fichier, ça marche aussi. C'est plus rapide que find parce qu'il y a une mini base de données. Donc la différence entre which et where is, puisque where is permet aussi d'avoir l'info, c'est que where is va chercher dans un certain nombre de dossiers prédéfinis, alors que which va chercher uniquement les programmes. Man which, ici, il va, donc which va montrer le chemin complet des commandes shell, donc des programmes. Et where is, man where is, tu vois, parce que je ne connais pas forcément la commande. Ici, vous voyez, where is montre où est-ce qu'est le binaire, la source, les pages de manuel d'une commande. Donc on a plusieurs infos. Tu vois, where is offre plus de possibilités que which. Mais en tout cas, which indique que pour les programmes. Voilà, donc là, which c'est un peu plus restrictif. Voilà. Donc, oui, alors, j'installe mlocate. Oui, c'est rapide. Pas sur calculate. Merge. Mlocate. Allez, on le fait. Voilà. On le fait vite fait. Là, calculate en action. Ça va aller vite. Donc, on va en parler à 1h40 de mlocate. Le moment où il aura fini d'installer tout le bazar là. Ah oui, c'est rapide, hein, calculer Linux, dis donc. Ah oui, ça va être rapide. Donc voilà, mlocate, et donc après, on a la commande, la fameuse commande locate. Donc là, mlocate est installé. Alors, il y a une commande pour rafraîchir la base de données. Je ne sais plus laquelle c'est. C'est updatedb, je crois d'ailleurs, qui fait une mini... voilà, tiens, d'ailleurs, c'est même écrit, là. Voilà. Updatedb. Voilà. If you install the first time, you can run the updatedb command manually now. Donc, updatedb permet de faire un petit fichier de base de données qui va référencer tous les fichiers qu'il y a sur le système. Et après, quand vous faites la commande locate, plutôt que find, c'est plus rapide à trouver l'info, puisqu'il va chercher l'info dans la base de données et pas sur le système de fichiers. Mais la commande, elle est lancée régulièrement. Donc maintenant, vous faites un locate GIMP. Boum, on a tous les endroits où il y a GIMP. Et c'est quand même beaucoup plus rapide de faire ça que de faire un petit find slash -iname. Name GIMP. Donc GIMP. Comme ça. Parce que là, on va voir que find est quand même beaucoup plus long. Alors qu'avec locate, l'info, elle a été donnée assez rapidement. Voilà. Donc, commande locate avec mlocate. Voilà. Et donc, vu que c'était juste pour la vidéo, je l'enlève.
Donc, salut Henri. Donc voilà. Et donc, allez, on va vous faire rigoler un peu. On va lancer une commande avec, dans cette commande, une insulte. Non, c'est pas la commande sleep, parce que sleep, c'est pas une insulte. C'est la commande netstat. Vu qu'on voulait parler un peu de réseau. Donc, on a la commande netstat. Netstat. Permet de voir certaines choses qui se passent sur le système, notamment en écoute réseau. Mais netstat, voilà. Donc là, on voit tout ce qui se passe. Ok. Mais netstat, voilà, on a des choses un peu bizarres. Et donc, il y a un certain nombre d'arguments que j'utilise à la commande netstat qui permet de d'avoir pas mal de choses, notamment d'avoir un petit peu plus d'infos, d'avoir les numéros de port, de ne pas avoir la résolution DNS. Donc je vais retaper ma commande netstat, et puis j'ai un certain nombre d'options à taper. NPTU, non. Autant utiliser les options avec un moyen mémotechnique. Un moyen mémotechnique que j'utilise pour avoir toutes les options qui vont bien pour netstat, pour mon utilisation je parle, hein, c'est netstat-lapute. Oh, il est grossier, netstat la pute. Eh ben oui, parce qu'avec netstat la pute, franchement, un -l-a-p-u-t-e, hein, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Donc ici, on me remplace le numéro du port par le nom du protocole. J'ai les infos sur mon utilisateur, sur le processus, sur le PID, si c'est du TCP, et donc c'est quand même beaucoup plus complet que le netstat tout court. Donc pour m'en rappeler, à chaque fois, je fais L-A-P-U-T-E. Et bon, ici, vous voyez, il y a de la résolution de nom. Là, il me met une résolution inverse. Donc si vous voulez pas la résolution inverse, par exemple ici, là, un petit coup de DNS, là, on a la résolution, eh bien, vous pouvez rajouter un N pour ignorer la résolution. Ça va un petit peu plus vite d'ailleurs. Et là, vous avez les adresses IP en clair et vous n'avez pas la résolution inverse du nom. Voilà. Donc, netstat-lapute. Facile à retenir. Bon, d'accord. C'était pas terrible, mais bon. Moi, je dis insulte et gros mots détectés. Non ! Bon. Voilà. Alors, netstat taupe, ouais, chacun ses moyens mémotechniques. Bon, moi j'avais la pute, hein, mais bon, c'est pas terrible. Alors, du coup, j'en ai parlé à quelle heure de netstat? J'en sais même plus rien. Allez, 42, hein, c'est bien, netstat. Je referai le point. Voilà. Après, donc vous vouliez parler de commande réseau, donc 1h45-15, on va parler de la commande IP. Donc la commande IP, elle permet de faire pas mal de choses. Alors, sachez quand même un truc, c'est que la commande netstat, elle est dépréciée depuis un petit moment. Maintenant, il faut utiliser la commande SS. Oui, on passe de la pute à OSS quand même, c'est pas mal. Mais bon, maintenant, il faut utiliser la commande SS. Alors, sudo SS en route, hein. Bien sûr, donc qui offre la même chose, mais moi j'ai du mal à m'y faire à cette commande SS, donc il y a plein d'options aussi. Ça renvoie plus ou moins la même chose que netstat, mais j'ai un petit peu plus de mal que netstat, donc j'utilise toujours netstat, mais c'est pas bien. Normalement, faut utiliser SS, hein, depuis un petit moment. Tout comme on n'utilise plus ifconfig, mais la commande IP maintenant. Et donc, la commande IP, si vous la lancez toute seule, vous avez la tripotée d'options de la commande IP. Donc là, je vais être très prudent pour éviter de faire n'importe quoi. Mais vous avez la principale commande que tout le monde sait utiliser, c'est la commande IP. Alors, en fait, c'est à 46 que j'en parle. 46, 15. La commande IP, vous avez IPA, qui, en fait, est un raccourci de IP à DDR pour voir les adresses IP. Et en fait, si vous mettez juste ça, c'est la même chose que IP ADDR show. C'est ça la vraie commande, mais que souvent c'est IPA parce que c'est plus rapide à taper. Mais en fait, la vraie commande, c'est IP ADDR show pour voir les adresses IP. Et donc là, vous voyez les adresses IP de toutes vos interfaces. Donc hello, c'est pas bonjour, hein, c'est la boucle locale.
Voilà, donc vous avez les informations sur la boucle locale. Ici, vous avez ETH0, donc les informations sur votre carte réseau Ethernet. Si elle est up, si c'est down. Vous avez son adresse MAC, ici. Vous avez son adresse IPv4. Vous avez l'adresse de diffusion. Vous avez ici l'adresse IPv6. Donc là, FE80, c'est une adresse qui n'est pas configurée. Comme les adresses en 169.254 en IPv4. Et puis, ben, bah, pareil, on a WLAN et on a l'info pour les cartes Wi-Fi. Alors, sachez que ETH0, ici, c'est pour une connexion Ethernet. Ici, Calculate Linux a souhaité rappeler ses interfaces comme avant, ETH0 et ETH1. Mais sachez un truc, c'est que depuis un petit moment, donc ce petit moment, c'est, ça date de UDEV je ne sais plus quoi, la numérotation des périphériques a changé. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de systemd ou pas systemd, parce que sous OpenRC, si on ne fait pas de modif sur Calculate Linux, enfin sur Gentoo par exemple, avec OpenRC, vous avez aussi des interfaces qui s'appellent ENP0S, je sais pas quoi là. Je vous avais montré sur le live Gentoo, j'avais une adresse, une interface en ENP0S machin. Et en fait, si je vais vous montrer en fait à quoi correspond ce ENP0S truc bidule, parce que après tout, on est là pour parler d'IP, donc CentOS. Voilà, je lance juste ça. En fait, c'est pas une numérotation qui est tirée par les cheveux. Elle est là pour répondre à une problématique qu'il y avait avant. C'est-à-dire que les interfaces réseau, avant la version je ne sais plus combien de UDEV qui gère les interfaces réseau, je vais mettre ça en gros, voilà. Ici, donc je me connecte en route. Si je fais mon IPADDR show, je lance la commande en entier. Voilà. Ici, vous voyez, c'est ENP0S3. Et en fait, le ENP0S3, il n'est pas tiré par les cheveux. En fait, cette nomenclature, c'est EN pour dire on parle de d'une interface Ethernet. Et après, le P0S3, il n'est pas inventé comme ça. Ça veut dire port PCI0 slot 3. En fait, c'est l'adressage sur la carte mère d'où est-ce qu'est connectée la carte. Et donc, si je fais, je vous l'ai montré tout à l'heure, le LSPCI pipe grep-i, tiens, j'utilise l'option -i qui ignore la case, net, voilà. Vous allez voir ici, vous voyez, ici, on est sur le port, donc 00, on est sur port 0, slot 3, d'où le ENP0S3. Et vous pouvez faire le test. Vous pouvez faire le test. Vous faites un IPA sur votre PC, vous regardez ça, et vous faites un LSPCI pipe grep INET. Et vous allez voir que, en fait, le 0, le premier chiffre correspond à ça, et le deuxième chiffre correspond à ça. Voilà. Donc ça vient de là, cette numérotation. Et ça a été pensé, non pas pour faire chier la personne qui veut faire du réseau, mais c'est que sur Debian, il y avait des soucis, c'est-à-dire que la carte ETH0 et ETH1, pour une raison X ou Y, vous faisiez une mise à jour, et puis ces noms pouvaient être intervertis. Et en fait, cette nomenclature a été faite pour se baser sur la carte là où elle est, et en gros, vous enlevez votre carte, elle est en panne, votre carte réseau est en panne, vous enlevez la carte PCI de la carte mère, vous remettez une autre carte même d'un modèle différent, vu qu'elle est dans le même port, même slot, elle reprend le même nom, et vous n'avez pas de problème d'interface à cause de ça. Donc c'est pour ça que ça a été fait, et donc, voilà, si vous avez un serveur avec Gentoo, bah tiens d'ailleurs, on va prendre le serveur de Mageia, Linux Online par exemple, parce que c'est le seul que je peux avoir sous la main, et c'est ça chez Mello. Donc oui, je me connecte sur le serveur de Mageia Linux Online, voilà. Et si je fais un IPA, vous voyez, ah bah ouais, non, c'est un mauvais exemple parce que lui il a fait pareil, mais ça m'étonne pas parce que c'est un excellent administrateur système celui qui gère ça. Alors, je vais arrêter ça. Je vais vous montrer. Alors, finalement, je vais la lancer, ma machine virtuelle Gentoo. Je vais vous montrer que même avec une Gentoo OpenRC,
Hop, voilà, je vais reprendre Magento. Vous allez voir qu'on a des interfaces en ENP, 0, truc bidule, machin. Bon, je vais fermer comme ça. Hop là. Voilà. Donc, je vais lancer ça vite fait pour vous montrer. Voilà, donc c'est les règles UDEV. Donc, root, le mot de passe qui va bien. IPA. Voilà, ici on a ENP0S3, tout pareil. ENP0S3. Bon, forcément, dans VirtualBox, la première carte réseau c'est toujours slot 0, port 0, slot 3. Bon, ben voilà. Et ici, j'ai pas systemd, hein. J'ai bien OpenRC, vous avez vu OpenRC démarrer. Voilà, c'est tout. C'était tout ce que je voulais vous montrer à ce sujet. Bien sûr, avec la commande IP, on peut faire IP root print. C'est pas IP root print, c'est IP root tout seul. Voilà. Avec IP root, vous voyez les routes. Donc là, on sait que par défaut, c'est la carte Ethernet 0. Hein, donc c'est lu comme une table séquentielle. Hein, donc la route par défaut, bah, ça passe sur ma passerelle via ETH0. Si ETH0 vient à tomber en panne, donc ma connexion filaire, on passe ici par défaut sur l'interface Wi-Fi. Donc vous voyez ici que la métrique, c'est le, on va dire le, la priorité entre guillemets. Je fais ça un peu grossier, mais c'est la priorité du truc. Donc plus c'est petit, plus il y a une priorité élevée. Et donc là, bah forcément, vu que l'Ethernet est considéré comme étant plus rapide que le Wi-Fi, l'Ethernet vient devant le Wi-Fi. Donc là, on a toutes les routes suivant tous les réseaux. Donc pour avoir beaucoup plus de réseaux, peu importe. Et la commande IP, vous avez beaucoup d'autres options. Donc IP, bah, par exemple, IP, route, add, etc., etc. Donc après, vous faites IP, route, add, vous ajoutez votre route. Réseau, voilà, donc vous faites IP route et après je sais plus où on y va parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué. Voilà, IP route add ou del ou change append replace et vous mettez votre route, donc IP route add default gna 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 via gna gna gna. Donc il y a beaucoup de possibilités avec IP, mais notamment on gère les routes, les adresses IP, hein, donc vous pouvez voir IP, avec la commande IP, vous pouvez changer votre adresse IP. Alors je ne sais plus comment on fait, IP à des adresses, ce que vous voulez, IP adresse, voilà, donc add pour ajouter une adresse IP, l'adresse IP, dev le nom de l'interface, vous pouvez ajouter plusieurs adresses IP, des sous-interfaces, par exemple si je fais un, alors il faut que je sois en route. Le problème, c'est que j'ai peur de faire une connerie. Bon. Si le live coupe, c'est que j'aurais fait une connerie. IP ADDR add. Donc là, on va ajouter une adresse IP. Je vais l'ajouter sur mon interface Wi-Fi pour être sûr de ne pas faire de conneries. Hein. Par exemple, je sais pas moi, 10.21.21.108, par exemple. Voilà, je vais ajouter une autre adresse IP avec un autre ISO, peu importe. Sur WLAN 0, puisque mon interface Wi-Fi s'appelle ça. Et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie le dev. IPA. Ah, ça ne s'appelle pas WLAN 0. Non, elle s'appelle WLAN 1. Donc WLAN 1. Voilà. Si je fais un IPA. Voilà. Ici, on voit WLAN 1. J'ai ma première adresse IP qui est là, qui m'était donnée par Network Manager. Et j'ai la deuxième IP que je viens d'avoir là. Donc vu que j'ai fait n'importe quoi, que je lui ai mis une adresse IP, j'ai un mauvais masque, etc., etc. Mais voilà, vous pouvez modifier. Et donc si vous voulez supprimer, vous supprimez del comme ça une adresse IP. Et donc si on refait un IPA, voilà, mon adresse IP, ma deuxième adresse IP d'interface a été supprimée. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que là, ça a planté dans mon Vivaldi. Là. Non, si, non, ça marche toujours là, le live. Oui, non, hein, oui, ok. Bon, ça a planté dans mon Vivaldi, peu importe. Mais voilà, avec IP, on peut ajouter des adresses IP, supprimer des adresses IP, vous avez vu là. On peut ajouter des routes, supprimer des routes, voir les interfaces, voir plein de choses. Donc IP, c'est vraiment la boîte à outils pour gérer le réseau.
même si sur une distribution Linux, souvent Network Manager prend le pas là-dessus, ou le service Network pour CentOS, ou le service OpenRC pour Gentoo et compagnie. Donc ça, c'était la commande IP. Et donc, pour terminer presque ce live, non, si on va quand même parler de la commande... Alors, comment se connecter à un réseau Wi-Fi via le terminal ? J'en sais rien. J'ai jamais pratiqué, donc je veux pas pratiquer là pour éviter de foutre en l'air le live. Pas le but. Je vais parler de DMSG, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je voulais aborder le dernier sujet, mais je vais parler de DMSG. Donc DMSG, man DMSG, vous avez une petite commande qui va bien, voilà. C'est print or control the kernel ring buffer. Ça permet de voir les messages qui sont demandés, enfin qui sont donnés par le noyau. Donc vous tapez DMSG, DMSG, qui vous donne de la couleur, et DMSG va faire la même chose que, plus ou moins, hein, qu'un cat var log dmesg. Hein. Il va lire ce fichier-là. Alors oui, sudo. Voilà. Sauf que là, on n'a pas de couleur. Et puis, dmesg, c'est que ce qui se passe au démarrage. Là, en plus, il nous met les infos avec dmesg tout court. Il nous met les infos de ce qui s'est passé par la suite. Donc la commande dmesg, bah voilà, permet de faire ça. Elle permet de faire ça, et donc voilà, vous voyez tout ce qui se passe. Donc là, on voit les messages d'erreur. Alors, c'est écrit en rouge. Je ne sais pas trop quoi dire sur DMSG, si ce n'est que, bah voilà, elle affiche toutes les interactions, les messages d'erreur et d'avertissement qui se passent à cause ou grâce au noyau. Voilà, donc là, on a des infos. Bon, après, je ne sais pas trop quoi dire sur cette commande DMSG, si ce n'est que, bah voilà, il me charge LP, donc j'imagine les imprimantes. Il charge les pilotes, mais il trouve pas d'imprimante. Bah oui, parce que j'ai pas d'imprimante. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et souvent, quand on a un souci avec le noyau ou autre, on nous demande de poster cette commande parce qu'on a de grosses informations sur ce qui se passe. Vous voyez ici, là, c'est la détection de mon touchpad. Au moment où le PC s'est démarré, il détecte le touchpad. Bah, c'est bien, d'accord. Donc il me le met ici. USB, tout ce que vous voulez. Après, man DMESG, il y a sans doute des petites infos. Voilà. Bon, il y a des infos à la commande, mais après, je vois pas trop quoi dire. Si ce n'est que cette commande, voilà, permet surtout de voir ce qui se passe, quoi, au niveau du noyau. Vous voyez, là, j'ai lancé VirtualBox, ben voilà. Il m'a ajouté le pilote VBox Drive, là, qui gère le disque virtuel. Voilà, il a chargé ça. Nickel. On voit que mon interface réseau ETH0 a été attachée en mode pont. Voilà. Et puis, sur une de mes deux machines, sans doute la Gentoo, j'ai activé le mode promiscuité. Et donc, du coup, il nous dit, attention, voilà, hop, j'ai allumé la machine, je rentre en mode promiscuité. Voilà. C'est dans cette information que le noyau souhaite me communiquer dans ce message DMSG. Voilà. Et donc, pour terminer, on va parler... oui, c'est vrai que cette commande, elle est assez indispensable pour débugger tout ce qui est problème au démarrage et compagnie. Et donc, pour terminer, à 2h00, on va parler de quoi ? On va parler de la gestion des processus. Alors, des processus, vous savez, quand on tape une commande, par exemple, echo toto, mon terminal, il me donne automatiquement la main. Je peux taper autre chose. Mais, par exemple, si je prends la commande sleep, qui a pour but d'attendre un certain laps de temps, donc je lui dis sleep 2 minutes, t'attends 2 minutes. Ça, vous connaissez la commande. Alors, vous connaissez peut-être sleep 120 parce que ça compte en secondes. Là, vous mettez 2m, ça compte 2 minutes. 2h, ça compte 2 heures. Et bien là, sleep 2 minutes, bon, ben on attend 2 minutes, c'est bien, mais voilà, on attend 2 minutes, on peut rien faire. Hein. Echo toto, il se passe rien, on attend 2 minutes. Donc, avec Bash, enfin en tout cas avec les lignes de commande, notre ami Tomcat spoil, eh ben spoil donc, on va lancer, alors je vais lancer 5 minutes histoire d'avoir plus,
On lance avec le e-commercial ou Esperluette, de son petit nom assez joli, assez rigolo. Je fais ça. Là, il se passe quoi? Il se passe que on a le numéro du PID, dont j'ai parlé tout à l'heure, 29099. Et donc, si je fais un petit PS, juste un PS tout seul, on voit que dans la console en cours, Sleep fonctionne. C'est bien. C'est bien. Mais, si je veux lancer une commande, htop, je lance htop, ok, je reviens. Mon Sleep est toujours là. Si je lance htop, Esperluette, il se passe quoi? Eh ben, elle est lancée en arrière-plan. Il y a un jingle pour Esperluette. Ben, Esperluette, c'est le e-commercial. Donc, si j'en mets deux, ça fait... Voilà, petit jingle. Donc là, mon htop, là, je l'ai lancé en arrière-plan. Je peux lancer d'autres commandes, echo, toto. Ah ouais. Mais mon htop, il est stoppé, là. Parce que le processus, bon, il s'arrête pour une raison X ou Y. Je fais PS. Il est toujours là, mon htop. Bah oui, mais comment je fais pour le récupérer? Bah, sachez que toutes les commandes qui sont lancées en arrière-plan, on peut les lister avec la commande jobs. Et ouais, vous saviez pas ça, hein? Et là, vous voyez quoi? Vous voyez que le job, donc la tâche numéro 1, elle est en cours d'exécution et c'est mon sleep. Tourne toujours. Et que j'ai ma deuxième tâche qui est htop, elle est stoppée. Ok. Je veux remettre. Oui, c'est vrai que mon sleep est toujours là. C'est quand même. C'est. Oui, mon sleep est toujours là et heureusement. La récré est finie. On revient aux choses sérieuses. Avec la commande jobs, j'ai sleep et htop. Je veux reprendre la vue de mon programme htop. Comment je fais? Je lance htop? Non, c'est nul. C'est nul. Notre programme, il est là, jobs. Il a un numéro 2. Comment on reprend htop? Ah, personne ne spoil parce que personne ne sait. Eh bien, c'est normal, vous êtes là pour apprendre des trucs. C'est avec la commande FG pour foreground. Ça veut dire qu'on a une tâche qui est en fond et je veux la récupérer. Donc, je fais FG, foreground. Si je fais ça, je vais récupérer par défaut la tâche numéro 1, c'est-à-dire mon sleep. C'est pas ce que je veux. Donc, si je veux récupérer la tâche numéro 2, qui est le htop, je dis, je veux récupérer la tâche numéro 2, mais pour cela, chaque numéro, je dois le précéder par un pourcent. Et si je fais FG%2, que je valide, mon htop revient. Intéressant! Jobs est une commande qui est par défaut. Donc ça, tu l'auras toujours, Jobs. J'ai envie de dire une connerie, je vais pas la dire. Donc là, je retrouve mon htop, c'est bien. Mais si je veux maintenant avoir mon terminal, mais que je veux continuer l'exécution de mon htop, je fais quoi? Eh ben, je fais CTRL Z. Oh, il fait CTRL Z, le gars. Quand on fait CTRL Z, on stoppe la tâche. Donc si je fais jobs, il est toujours là, mon htop. Et maintenant, je peux me le reprendre. C'est toujours la tâche numéro 2. Je la reprends, hop, je reviens là. CTRL Z permet de stopper et de laisser en arrière-plan. Et donc, je peux faire BG pour 102 pour envoyer en arrière-plan et continuer l'exécution de htop. Bon, là, pour le coup, BG pour background, je la renvoie derrière. Ça n'a pas trop d'intérêt parce que htop, elle s'arrête toute seule. Jobs. Je reprends mon sleep qui est en cours d'exécution. Ça sera mieux. Je le remets au premier plan. FG pour 101. Je récupère mon sleep. Il est là. Bon, je récupère mon sleep, vous avez compris. Ma commande sleep. Je veux la renvoyer en arrière-plan. Je fais CTRL Z. Ouais, d'accord. Mais ma commande sleep, elle n'est pas en cours d'exécution. Elle est stoppée parce que j'ai fait CTRL Z. Si je refais jobs, elle est bien stoppée. Et bien, pour l'envoyer en arrière-plan et qu'elle continue à s'exécuter, là, voilà, BG, vous allez mieux le voir, BG1. Pas pour beau gosse, hein, pour background. Hop là, ça relance la commande sleep 5M en arrière-plan. Et si je refais job, on voit qu'elle est à nouveau en cours d'exécution. Donc vous, ça c'était avant screen, vous vouliez lancer plusieurs applications, vous pouvez jouer avec jobs, FG, CTRL Z et BG. Voilà,
Ça, vous avez tout vu. Tout vu, tout compris. C'est con sur le chat. Il n'y a pas de Steve, sinon j'aurais dit Steve Jobs. Bon, ça, c'était pourri. Ok. Donc, ceci étant dit, étant fait, avant de répondre à vos questions, parce que là j'ai traité plus ou moins tout ce que j'avais noté sur mon petit papier, j'en ai peut-être oublié quelques-unes, c'est pas bien grave. Pour, avant de répondre à votre question, à vos questions, on va quand même caser le petit dicton du jour. Donc on est le mercredi 7 mars, donc le mercredi 7 mars, c'est la Saint-Félicité, n'est-ce pas ? Et donc le jour de la Sainte-Félicité se voit venir avec gaieté. C'est le dicton du jour, ma foi, ne me demandez pas, voilà, pourquoi. J'ai d'autres dictons, ma foi, bon, j'ai le dicton, le beau temps de mars se paie en avril. Bah, vu le temps qu'il fait en mars, je pense qu'en avril, il va faire beau pour le coup. Voilà, donc ça, c'était les petits dictons du jour, super, vous avez appris un truc assez sympa. Maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, réponse aux questions à 2h08. 2h08 de live, c'est énorme. Question. Donc, les questions. Il y avait une question qui me disait... alors, je vais remonter comme ça. Peut-on connaître la fréquence et période de live, s'il vous plaît ? Donc, les C'est quoi qui dit ? Qui sont des émissions à terme que je fais. Elles se font tous les premiers mercredis du mois. À 20h, heure de Paris. Donc, ici, aujourd'hui, mercredi 7 mars, à 20h, astuces diverses, ligne de commande. Mercredi 4 avril, à 20h, probablement, ça va être annulé pour raisons personnelles et professionnelles, j'imagine. Si ça se tient... Il faudra que je fasse une... Je ferai une vidéo si jamais ça se tient. Pour le moment, c'est pas bien gagné pour que ça se tienne. Si j'ai l'occasion d'en faire une, je ferai une spéciale consacrée à Bash. Parce que là, je vous ai montré des petites lignes de commandes. Bon, d'accord, Z4, Grep, c'est des commandes, mais voilà. On ira peut-être dans un truc un peu plus simple pour vous montrer comment prendre en main la ligne de commande. Plus que montrer des petites lignes de commande comme ça qui servent pas bien grand chose, un peu en vrac. Donc ça, ce sera... Voilà. Donc ça, c'est les lives. C'est le premier mercredi du mois. Il se peut qu'il y ait des lives un petit peu extraordinaires qui arrivent là au milieu. On a fait une session avec des... Une petite séquence spéciale avec des lives sur Gen 2 en anglais et en français. C'était bilingue. Mais dans tous les cas, quand il y a des lives, ils sont indiqués sur YouTube avec une petite vidéo quelques jours avant. À l'exception des lives de jeux vidéo qui sont... Comme ça, fait à l'arrache. Pour répondre à la question de Tomcat, est-ce que je compte aborder le noyau Linux plus en détail, programme en C ? La réponse est non. Non, parce que... Parce que, bon, le noyau Linux, je connais un petit peu. Mais c'est tellement pointu, il y a tellement de choses à dire que mon avis, j'en connais même pas 1%. Donc c'est compliqué de faire un truc là-dessus et de répondre aux questions sur un sujet que je ne... Enfin, que je maîtrise pas forcément à fond. Et puis après, le programme en C, j'ai programmé un tout petit peu en C, j'ai des minuscules notions, mais... Voilà, faire un live là-dessus, je n'ai pas assez de billes, et puis c'est pas mon corps de métier, je ne fais pas ça toute ma journée, pour pouvoir maîtriser le truc. Donc, ça semble compliqué. Après, s'il faut faire une vidéo ou un live, peu importe, sur la compilation du noyau, qu'est-ce que font les options et quoi et où, j'ai expliqué un petit peu dans le live sur Gen 2, maintenant on peut pousser le bouchon un peu plus loin, Maurice. Voilà. Donc ça, voilà. Suite à la rumerie, j'ai pas compris la blague. Si tu peux préciser. Donc il y a Ludovic qui m'avait posé la question. Quel est mon thème ? Parce que c'est vrai que mon thème, il a l'air d'être joli. Effectivement. Donc le thème que j'utilise, c'est quoi ? C'est un thème personnalisé. Donc, les contrôles de mes boutons, c'est Arc Darker.
Les bordures de fenêtres, c'est Arc Darker, donc en gros c'est le thème Arc Darker que j'ai installé. Les icônes sont les icônes Papyrus Dark. La différence entre Papyrus Dark, Papyrus Light ou Papyrus Normal, c'est que Papyrus Dark, les icônes qui sont dans la barre en bas, enfin en haut, pour moi, elles sont de couleur claire. Donc quand on a un tableau de bord foncé, il vaut mieux avoir des icônes claires. Donc le Papyrus Dark met des icônes très claires pour aller sur des tableaux de bord foncés. Et inversement, Papyrus a des icônes foncées pour aller sur un tableau de bord clair. Donc CTRL Arc Darker, bordure de fenêtre Arc Darker, icône Papyrus Dark, le pointeur, bon, c'est celui de Maté par défaut. Et puis pour les applications, donc les polices c'est par défaut, hein, j'ai pas rien changé. Et pour les applications en Qt, eh bien Qt 4 avec Qt Configuration Tool qui, allô, ne se lance pas, c'est le thème GTK par défaut. Et puis les paramètres de Qt 5, eh bien, pour les applications type Qt 5, j'ai laissé Brise Dark, voilà. Ça, c'est la réponse à la question. Ah oui, d'accord, la rumerie. Non, il n'y a pas de, y a pas, de suite à la rumerie. Non. Et la suite, je vais me coucher après. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai un nouvel ordi qui a deux emplacements de disque dur. Mon SSD est sur SDB et pas SDA. Aucun installateur graphique ne démarrait pas. Ma question, peut-on dire à un groupe de démarrer sur SDB ? Hop, on masque. Non, tu peux. C'est pas parce qu'il n'y a pas de SDA que tu peux pas démarrer l'installateur. Après, voilà. C'est un peu bizarre cette question-là. Mon disque dur SSD est sur SDB et pas SDA. Normalement, quand on installe, bon, il faut que tu mettes dans le BIOS effectivement le disque dur concerné en premier dans la liste à booter, mais il faut juste contrôler qu'à la fin de l'installation, donc suivant la distribution Linux utilisée, le grub s'installe sur le bon disque. Donc si c'est sur SDB que tu as installé ton système, il faut bien installer grub sur SDB. Si après tu le mets dans le BIOS en premier dans la liste des trucs, là, en espérant que tu n'aies pas du EFI. Et après, le truc, c'est que une fois que Grub est amorcé, Grub fonctionne avec des UUID. Donc peu importe si c'est SDA, SDB, SD, ce qu'on veut, il utilise ce fameux UUID. Là, tu sais, c'est ce que j'ai montré avec LSBLK-F tout à l'heure. Là. Chaque partition a un numéro unique, le UUID. Et donc souvent, dans le fichier etcfstab là, que je te montre, tu vois, moi ici, c'est marqué UUID. Par exemple, la partition racine, c'est UUID. Et ce numéro-là, donc peu importe si on est sur SDA, SDB, SD, ce qu'on veut, c'est ça qui est utilisé, vu que c'est unique, ben normalement, t'es pas embêté. Là, ici, on peut mettre SDB, mais en principe, les installateurs font ça. Donc normalement, tu devrais pas être trop embêté. Et après, si t'as pas du EFI, il faut faire un grub install F, pourquoi pas, c'est dans jamais, pour forcer la réécriture, dev SDB, en vérifiant que ton disque soit bien sur SDB. Mais on s'en fout de ta chaîne Windows, là. Voilà. Ah oui, si, il y avait une autre question qui m'avait été posée. Alors attends, faut que je retrouve. Je vais aller un petit coup sur YouTube. L'autre question qui m'avait été posée, c'est la vidéo sur les tests de performance. Il y a quand même 53 spectateurs sur la vidéo. C'est pas mal. Performance. Performance des systèmes de fichiers sur clé USB. Non, c'est pas ça. Performance de MR. Non, comparatif. Parlons performance et mémoire sous Linux. Alors non, qu'est-ce que j'avais fait ? C'est quoi ça? Parce que j'en ai fait des vidéos, mais... Salut! Ah oui, non, c'est... Non. Salut à tous. Ok, on a compris. Alors, non. J'avais parlé de mémoire avec les différents gestionnaires de tâches. Bash dans Windows 10, ma distribution que du bonheur. Non, et ben écoute, je vais noter pour la faire là le test de perf là, test perf Linux mémoire disque CPU
etc. Je vais la faire, cette vidéo là. Alors, ah non, non, c'est pas ça que je veux faire, non, je veux pas faire de la pub à ce monsieur, mais, oh merde, j'ai fait n'importe quoi, attends, hop, je reviens avec la fenêtre, oh là là, je fais n'importe quoi, alors, détacher la fenêtre, voilà. Et voilà. Non, mais on s'en fout de... On s'en fout, en fait. Je suis pas là pour faire de la pub d'autres youtubeurs. Je suis là pour présenter une émission, répondre à des questions. Donc ce n'est pas le but de la chaîne. Voilà. Après, comme mon nom l'indique, Adrien Linuxtrix, on parle beaucoup de Linux. Bon, on parle un petit peu de Windows aussi, ça arrive. Hein. Je parle de Bash sous Windows 10. J'ai fait 2-3 vidéos sur Windows 10, mais c'est pas vraiment le truc. D'ailleurs, on parle même des fois un petit peu d'Android de temps en temps. Donc on déborde, même si Android, c'est du Linux quand même. Hein. Cross-compilation, je maîtrise pas, donc il n'y aura pas de vidéo là-dessus. Ça semble un peu compliqué. Ça semble un peu compliqué pour moi. Là, c'est des trucs que je ne maîtrise pas, donc... Quand je ne maîtrise pas, eh bien, je ne maîtrise pas. Donc, quand je ne maîtrise pas, je fais pas. Voilà, voilà. Donc, non, je ferai pas ça. Ouais, ouais, bah c'est bien ce qui me semblait que t'étais P-Linux. C'est ce que je voulais voir en allant sur la chaîne, hein, pour voir si, effectivement... Mais je me doutais bien que c'était toi. Alors sur Arch Linux, ça changeait souvent. J'imagine que c'est les paquets, les compagnies. Bon bah ouais, après Arch Linux, c'est une rolling release qui propose des choses très récentes. Et plus ça va vite, hein, plus on met les mises à jour, enfin, eux ils vont très très vite. Là où calculer était un peu plus... prudente, bon bah voilà, donc attention, hein, Arch Linux, cascadeur assuré, là. Manjaro peut être un petit peu plus accessible, pourquoi pas, même si j'ai vu la dernière vidéo de Pepito, apparemment Manjaro Maté, là, pff, le thème il saute, alors j'ai une Manjaro Maté, il faudra que je vois ce que ça donne. Mais ouais, Arch Linux, il faut... maîtriser un petit peu quand même ce qu'on fait parce qu'on peut pas être à l'abri d'un pépin. Mais j'ai une machine virtuelle qui tourne sur Arch Linux, hein. Je me dis tiens, je regarde un peu comment ça fonctionne avec KDE Plasma en plus. Genre le mec il est fou. Mais ouais non, j'aime bien. En fait, vous voyez là, quand on va dans voilà, dans VirtualBox, vous voyez là, j'ai donc j'ai mes Calculate, j'ai Gentoo, pas graphique, j'ai Gentoo maté. CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Arch, Manjaro, voilà, j'ai un petit peu tout pour suivre l'évolution. Là, j'ai mon fameux Windows 10 qui, ça fait au moins un an qu'il est installé, il est toujours pas activé, puis on peut toujours l'utiliser, c'est rigolo. Mon Windows 2000 pour les jeux, et puis un Windows 3 que j'avais installé par curiosité, qui fonctionne toujours. J'avais pas envie de le supprimer. Voilà. Mais ouais, je pense que fume sec là. Partage Samba. Alors il faut être un peu plus explicite parce que partage Samba. Une vidéo sur le partage de fichiers Samba, tu veux? Oui, c'est possible. C'est possible. Après, je vais pas le faire là, quoi. Hein, mais c'est possible. On peut faire ça. Je vais regarder si j'en avais déjà fait une de vidéo sur partage Samba, mais je crois pas. Hein. Hey Samba! Non, bon, ok, c'est bon, on va se calmer tout de suite. Mais c'est vrai que dans Samba, il y a beaucoup de choses à dire. Et. Il y a énormément de choses à dire. Après, pour faire un live, ce qui serait assez sympa, c'est que j'explore un peu plus en détail comment fonctionne Samba en mode comme Active Directory, là, en tant que
un peu annuaire, un truc centralisé, enfin pas annuaire parce que ça me le fait pas, mais en tant que contrôleur, voilà, de domaine. Ça peut être sympa, mais c'est des choses que j'ai absolument pas explorées, parce que pour le coup, dans le monde professionnel où je suis, Active Directory de Microsoft, je préfère quand même Active Directory à des bricoles et des bidouilles avec OpenLDAP et Samba. Après, pourquoi ne pas avoir utilisé le système de fichiers BTRFS alors que tu as démontré en vidéo que c'est plus rapide que XT4? Alors, moi je n'utilise pas BTRFS parce que BTRFS n'est pas plus performant sur SSD. Or, j'ai un SSD. Sur mon disque mécanique, j'ai EXT4 parce que mon disque mécanique, il a sudo tune2fs, petite commande qui permet de voir des infos-l dev sdb1. Voilà, ma partition sdb1, je l'ai faite, tu vois ici. Quand j'ai changé mon disque de 750Go en un disque de 1 Tera en 2015. Et en 2015, je n'étais pas super doué en BTRFS. Et en 2015, BTRFS n'était pas vraiment super stable. 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait quand même... Bah, toi, le 13 mars, ça va faire 3 ans. Donc, je maîtrisais pas le truc. Déjà. C'était pas super stable il y a 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, BTRFS est stable. C'est pour ça que j'en ai parlé. Il est stable dans la plupart des fonctionnalités. C'est-à-dire, gestionnaire de fichiers, c'est stable. Snapshot, la gestion des snapshots dans le système des fichiers, c'est stable. Après, ce qui est moins stable, c'est... Donc la déduplication, c'est stable. La compression, c'est stable. Ce qui n'est pas très stable dans des BTRFS encore à ce jour, c'est notamment la gestion de du RAID, c'est-à-dire avec plusieurs partitions, on peut faire du RAID 5, on peut avec plusieurs disques faire du RAID logiciel avec le système de fichiers BTRFS, et c'est ça qui n'est pas encore vraiment stable. Donc vu que c'est pas stable, mais un système de fichiers classique BTRFS sans rien utiliser de transcendant, si ce n'est que le gestionnaire de fichiers, la compression et tout, c'est stable. Après, effectivement, comme le souligne Serge ici, Red Hat a abandonné BTRFS. Donc ça m'a bien embêté, parce que mon serveur de fichiers au boulot, pour parler un petit peu de boulot, j'y passe déjà assez de temps comme ça, mais j'en reparle encore un petit peu. Mon serveur de fichiers sur CentOS, puisque moi je prends la version communautaire, CentOS 7.2, je crois à l'époque quand j'ai installé ça, le disque dur virtuel, parce que c'est virtualisé, j'ai fait un disque dur virtuel dans lequel j'avais mis un système de fichiers BTRFS. C'était génial, j'avais mon petit script qui allait bien, je faisais mes snapshots, hop, quelqu'un paumait un fichier ou supprimait un fichier par erreur, je restaurais le snapshot directement dans le système de fichiers. C'était génial. En plus, il déduplique le truc, c'est-à-dire on peut faire 50 snapshots des fichiers, ça prend une fois la place, pas 50 fois la place. Donc ça, c'était génial. Mais effectivement, Red Hat a abandonné BTRFS, et à partir de la version 7.4 de CentOS, ben BTRFS n'est plus supporté. Donc ça m'a donné un petit peu de fil à retordre. Il a fallu que je mette un autre disque virtuel, que je m'amuse à synchroniser mes fichiers et repartir sur un système de fichiers. J'ai pris de l'XT4, hein, j'ai pas pris du XFS, parce que Red Hat est pro XFS. Mais je trouve que le XFS c'est nul, parce qu'on peut pas réduire le système de fichiers et on peut pas l'agrandir à chaud sans le démonter. Donc non, moi je veux un truc qui marche bien. C'est ça qui était bien aussi avec BTRFS, on pouvait réduire le système de fichiers pendant qu'il était monté. C'était génial, on pouvait tout faire. Ça marchait bien hein, pour le peu de fois que j'ai eu à l'utiliser. Mais bon, Red Hat a abandonné. Mais pour un système de fichiers normal, si tu installes ta distribution Linux avec slash en BTRFS et puis un slash home en BTRFS, ça marche. Voilà. Pourrait-on espérer une vidéo sur tout ce qui est en rapport avec le réseau DNS, masque, pare-feu? Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, soit plein de petites vidéos
qui explique chacun des petits contextes, ce qu'est un DHCP, ce qu'est un masque, ce qu'est un pare-feu, ce qu'est une adresse IP, ce qui... comment ça marche un pare-feu. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre. En fait, ce qui serait bien, c'est que... ce qui serait bien... ça risque d'être compliqué. Ah, ce qui serait vraiment cool, ce serait de faire une vidéo sur un... parce qu'on a quelques routeurs qu'on n'utilise plus, nous, au travail, là. Ce qui serait bien, c'est que je ramène un routeur du travail. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs sur ce routeur, que des infos qu'il faut que j'efface. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo en août 2017 sur l'accès à distance avec un routeur. Et j'ai pas encore monté la vidéo parce qu'il faut que j'enlève toutes les choses qui sont... voilà. Mais en fait, ce qui serait sympa, c'est que je ramène effectivement un routeur du boulot, que je reste au boulot un soir après ma journée, pour que je fasse une vidéo sur voilà ce que c'est qu'un routeur, voilà, un truc assez sympa, une vidéo sysadmin quoi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a plein d'options. Enfin, je peux pas montrer une partie du réseau de mon boulot, vous comprendrez pourquoi. Et puis un routeur, c'est vrai que si je vous montre le comment on fonctionne chez nous, c'est forcément des petites failles de sécurité, parce que si vous voyez comment je configure le routeur ou autre, vous dites ah là il a fait une grosse connerie, c'est pas terrible quoi. Mais c'est vrai que ce serait sympa une vidéo sysadmin, mais pareil, une vidéo virtualisation, moi j'aimerais bien vous montrer ça, mais je peux pas vous montrer mon boulot quoi, parce que vous comprendrez que ça pose souci de montrer des infos qui j'ai pas à vous montrer quoi. C'est bien ça le souci. Mais ouais, je pourrais réinitialiser un routeur que j'ai et puis vous montrer 2-3 trucs dessus. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de sortir du matériel du boulot, vous comprendrez évidemment pourquoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo que j'avais fait sur le serveur Dell, c'était au boulot. C'était une vidéo que j'avais fait au boulot. Je sors pas du matériel du boulot quoi. Voilà. Mais après, ouais. Le live, si je peux faire un live sur Bash, les super bases, voilà. Je pourrais le faire. Si plus Zoom, j'ai plus Zoom. J'ai une tour. C'est les mini tours qui me servent de serveur à la maison. Donc je casse pas tout ce que j'ai. J'ai une machine en RAB, je pourrais faire des trucs dessus, mais pour un routeur, oui, donc faudrait mieux du matériel routeur. Enfin, on a nos vieux routeurs là qu'on n'utilise plus, mais vu que c'est pas moi qui les avais configurés, je ne sais pas comment ça marche. Donc j'aurais bien voulu vous montrer un truc que je sais qui marche, mais que je maîtrise à fond. Mais bon, c'est pas terrible. Mais ouais, c'est sûr que ramener 2 routeurs, mettre un PC de chaque côté, prendre 2 PC, montrer avec mon téléphone, je filme mon téléphone, je dis voilà, dans le routeur on configure comme ça, ça marche comme ça, on fait le pare-feu, on voit qu'on met ci, ça. Ça pourrait être sympa, ouais, on peut faire des super vidéos, mais 1, il faut du temps pour monter, 2, il faut du temps pour faire, 3, il faut pas que je montre des infos confidentielles, 4, faut peut-être que je demande aussi à mon super big boss de la balle qui tue, si c'est possible de faire une vidéo et de mettre sur YouTube du matériel, même si je masque les infos, parce que même si le secteur informatique c'est moi le responsable, il faut quand même pas que il faut que la direction hors informatique soit au courant, donc je peux pas me permettre de faire un truc comme ça un peu à l'arrache. Autant un serveur il n'y a rien à montrer, mais là il y aurait vraiment trop à montrer quoi, donc c'est compliqué hein. C'est compliqué. Ma config, c'est quoi? C'est un Asus N76VZ. Tiens, la petite commande Inksy, un programme Inksy, avec l'option tiret grand F permet de voir l'ensemble de la config que j'ai. Et voilà, et tu vois toute ma config. Voilà, donc ça répond à la question. Donc,
Donc j'ai un PC, voilà, je vais laisser comme ça, Asus N76VZ avec calculette Linux desktop 17.12.2. Voilà, Asus N76VZ qui date du 16 mars 2012, donc il va avoir 6 ans le coco. Puis je l'ai acheté en mars, je l'ai acheté fin mars, donc il venait de sortir. Un quad-core Intel i7-3610QM, voilà. 6 mégas de cache à 3,3 GHz. Une carte Intel Graphics couplée avec une carte Nvidia GeForce GT 650M. Voilà. En 1920x1080 l'écran, et avec un deuxième écran de cette résolution là. Une carte son classique Intel. Du Wi-Fi Intel. Du l'Ethernet Atheros. Ici, voilà. Et puis là, j'ai un disque dur OCZ de marque Vertex 4, qui a un petit moment. Déjà, qui a 3, 4, qui va avoir 5 ans, parce que je l'ai acheté en 2013. Voilà. 5 ans qui est la date de vie de mon système calculé Linux, que j'ai installé qu'une fois quand j'ai formaté mon SSD. Et j'ai mon disque de 1 Tera. Un disque de 750 qui était le disque de l'Asus par défaut, et j'ai acheté un disque 1 Tera 7200 tours minute pour mettre à la place. Voilà le PC qui chauffe, et voilà. Donc là, tu as toutes les infos sur l'écran. Pourrais-tu parler en anglais pour Rose, qui est la seule femme? Ah oui, la seule femme, seule femme anglophone. Ben, I speak English. It's not perfect English. Voilà. It's very difficult for me to speak English. Serge will translate. Vidéo très cool. Je pense que ce serait d'exposer les différences entre IKE V1 et IKE V2 sur IPsec. Oui, bah oui, oui, oui. On pourrait faire une super... avec deux routeurs, faire un lien IPsec et tout. On pourrait faire des trucs sympas, mais bon, c'est compliqué à mettre en œuvre, surtout là à la maison. Puis j'ai essayé assez de bordel comme ça. Il faut du temps, il faut. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Facile à dire, mais peu facile à faire. Et puis, je voulais dire autre chose. Mais je sais plus quoi. Je ne sais plus quoi, donc je ne dis rien. Ah oui, que penses-tu de Fish? Tu penses quoi de Fish? Là, il m'écrit Fish. Bah, Fish, je crois qu'il est installé, j'avais dû tester. Voilà, Fish, ok, super. Donc voilà, CD. Donc c'est bien, super, ça pré-rempli, hein, on peut remplir tout ça, ouais, super. LS. Une commande qui n'existe pas. Voilà, il l'écrit en rouge, super. Après, moi, je le trouve compliqué, hein, Fish, mais bon. Ben, d'ailleurs, il n'existe plus mon truc là. Non. J'avais essayé de personnaliser, mais ouais, c'était compliqué pour personnaliser, faire des alias, des commandes, des fonctions, parce qu'en fait, dans mon bash RC, j'ai une multitude de trucs. Attends, je vais juste vérifier un truc. Dans mon bash RC, là, si vous avez dans un truc, c'est que j'ai pas de mot de passe qui traîne en clair. Alors, hop. Normalement, non, mais. Je voudrais vérifier quand même. Hop. Pour te montrer en fait ma problématique avec Fish. Tiens, d'ailleurs, on va faire un peu de ménage. Ouais. Donc j'ai personnalisé son prompt, c'était un peu chaud. Non, donc je montrerai pas comment on se connecte au Wi-Fi via la ligne de commande parce que je ne sais pas. Mais en ligne de commande, il y a sans doute NMCLI qui est le network manager en ligne de commande.
Et puis je crois qu'il y a WPA Supplicant qui permet de se connecter, mais je sais pas comment il marche. WPA Cli, mais je sais pas comment ça marche. Donc voilà. Je sais pas trop. Je ne m'avance pas. Et Grub en dual boot sur deux distros, bah pff, dual boot avec Grub 2, c'est tellement le bordel que. Qu'avant, tu sais ce que je faisais, je t'explique le truc. J'étais un gros malade. J'avais installé une petite partition de 200 mégas au début du disque, un SDA 1. Et après, j'avais installé, quand j'étais en dual boot entre Mageia et Fedora, j'avais donc Mageia sur SDA 2, un truc comme ça, Fedora sur SDA 3, et j'avais installé à chaque fois le grub sur la partition. Donc grub de Mageia sur DevSDA 2, le grub de Fedora sur DevSDA 3. Et sur la petite partition DevSDA 1 de 200 mégas, j'avais installé une Mandriva 2010, avec le strict minimum, c'est-à-dire rien du tout, et juste les outils Drake qui vont bien. Et donc avec Drake Boot, j'avais installé sur mon disque dur le grub de Mandriva, et vu que c'était un grub 1, je lui mettais l'entrée grub de Mageia sur DevSDA 2, grub de Fedora sur DevSDA 3, et je choisissais au début avec ce grub là. Voilà, je faisais comme ça, mais... Parce que justement, avec grub 1, on pouvait choisir correctement, c'était un peu moins compliqué que grub 2. Mais depuis, je ne fais plus de dual boot, donc un dual boot avec grub 2, je sais que c'est chiant, mais je ne saurais pas trop comment faire. Voilà. Et donc oui, pour montrer la petite problématique avec Fish, tu vois, je vais t'éditer avec VI, ça dans la coloration syntaxique de mon bash RC. Moi je suis un grand malade. Mon bash RC, tu vois, regarde, j'ai plein de trucs. Alors je vais revenir tout en haut. Ici j'ai des commandes. Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas ma commande more égal less. Mais tu vois ici, donc là, bon, j'ai des alias à la noix de ce style là. Bon, très bien. D'ailleurs, alias more égale less. Celle-là, je me la fais parce que j'en ai marre de taper less. Donc ça, ça va. Ici, mise à jour. Bon, ok, c'est des trucs. Ça va, c'est pas trop compliqué. Quand il commence déjà à y avoir ce genre de commande, on en prend une et après on en prend deux. C'est chaud. Et là, j'ai des commandes qui me posent problème. Alors, hop. C'est ce genre de truc-là. Ah, c'est-à-dire une commande à la con de ce style-là, où j'ai carrément une ligne de commande compteur. Compteur, elle sert à rien. Hein. C'est une fonction, bah ça dans Fish, ça me pose problème. Et genre, je tape compteur, ça fait ça. Hein. Compteur, ça fait ça. Voilà. Super, magnifique. L'alias qui sert à rien. Voilà. Mais ça, pour le fait de mettre dans Fish, c'est vraiment pénible. Donc j'ai arrêté. Je me suis pris la tête un peu avec ça, mais voilà. Et puis, après, ce genre de truc-là, tu vois. Moi, je veux... J'ai une fonction qui s'appelle UbuildGen pour générer mes UbuilD, voilà, qui fait ça. Mais des fonctions dans Fish, j'ai pas trouvé comment faire, donc c'est toujours un peu chiant. Voilà, puis après, j'ai des fonctions bien plus compliquées, du style X pour extraire. Et quand j'ai un fichier compressé, je fais ex mon fichier. Et après, suivant l'extension, ça va appeler la bonne commande. Bon, ok, d'accord. C'est discutable, mon truc. Mais ça, pour mettre dans fiche, c'est chaud. On doit des cornes comme ça, quoi. D'ailleurs, je pourrais faire sudo point d'exclamation, comme on a vu. Alors, aucun problème de dual boot entre Gentoo et Calculate. Ah oui, non, entre Gentoo et Calculate, mais aucun avec Gentoo et Manjaro. Bah, dual boot, voilà, je pense mon tour parce que je sais pas trop. Comment faites-vous pour afficher le numéro de ligne au début du prompt? Une personnalisation du bash RC. Oui. Je descends un peu plus bas. Voilà. C'est ce symbole-là.
C'est ce symbole-là, voilà, qui donc c'est anti/slash dièse qui permet d'afficher le numéro de la commande. Voilà, donc ça c'est une personnalisation du bash RC. Donc ici, ça affiche en vert quand c'est inférieur à 500, le UID est inférieur à 500, et donc pour route, ça affiche la même chose mais en rouge. Je remplace le 32 par 31. Voilà, donc c'est ce symbole-là hein, qui permet d'afficher le numéro. Pour répondre à ta question. Donc les alias. Ouais, bah dans Fiche, j'avais trouvé l'alias pour le coup, mais... Mais il y a des petits trucs, des petites subtilités qui ne fonctionnaient pas comme il faut. Et les opérateurs du style... Donc je vais aller dans TMP. C'est quoi qui dit? Voilà. Ça, par exemple, là, si je veux faire ls et echo, ok. Et ben ça, c'est il faut faire différemment. J'ai vu dans Fiche, c'est une autre syntaxe. C'est ls and je sais pas quoi là. Donc c'est pas des commandes standard enfin qu'on peut utiliser dans des scripts et tout ça. C'est vraiment différent. Donc c'est pour ça que j'aime pas Fiche quoi. Tout simplement. Après, ouais, pour répondre au dual boot, là, je suis un peu en retard sur la réponse des questions. Pour répondre au dual boot, bon, ouais, c'est vrai que... PC, ouais, moi, je fais plus de dual boot, mais c'est toujours pénible, quoi. Merde, mais attends, c'est qui m'a demandé le numéro de ligne, là? Ah non, oui, non. Donc, c'est bon, pas besoin d'écrire en français. Oui, voilà, point virgule and là, donc bon, c'est un truc de fou. Donc je me suis dit, c'est pas standard, je vais arrêter avec ces conneries. Voilà, bon, c'est pas le tout, mais vous êtes nombreux ce soir. Il y a encore 45 personnes qui visionnent. Merci, merci, c'est très gentil, magnifique. Mais c'est pas le tout. Mais il va quand même falloir penser. Il y a rien de ce monde là qui est encore là, et encore là, il n'y a pas tous les participants, dis donc. Mais voilà, on va peut-être penser à arrêter, parce que là, ça fait quand même 2h44 que je parle. Et mon verre est vide. Donc j'ai la gorge sèche. Voilà, les idées ne vont plus trop dans la tête. Oh. Donc, voilà, voilà. Hein ? On va peut-être arrêter le live quand même, ce serait sympa. Surtout qu'il faut que je fasse encore l'eurodatage vite fait, quand le replay va arriver. Donc voilà, on va arrêter tout ça. Je vais quand même répondre à la question d'Antoine qui arrive, qui me dit je voudrais passer sur Calculate. Ouais, l'installation de software non libre est facile. Quels sont les softwares non libres que tu souhaites installer? Sachant que s'ils sont à la Logitech, je dirais oui, c'est facile. Puisque j'utilise Steam, j'utilise les pilotes Nvidia. Si on a une carte Broadcom, les pilotes Broadcom sont là. J'utilise Skype. Qu'est-ce que j'utilise en truc non libre? Bon, les MP3 et compagnie, d'accord. Là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Attends, j'utilise peut-être encore des trucs non libres. Si t'as un nom d'un Spotify, Spotify il est dedans, ouais. Spotify, il est là, il est installé chez moi et il marche. Par contre, je vais peut-être pas le lancer parce que je sais pas ce qui est affiché dans. Si, je vais le lancer, je m'en fous. Internet, non, c'est pas dans Internet. Mais il va peut-être me demander. Bon, c'est pas grave, vous verrez mon email. Si jamais ça s'affiche, non, d'accord. Oh ouais, d'accord, génial, j'ai mis ce compte à la con. Mais voilà, Spotify il est là et ça marche hein. Donc voilà. Browse, je sais pas moi, Mozart, histoire de pas avoir trop de problèmes de droits d'auteur. Voilà, ça marche hein. Tiens, la preuve en est. Voilà. Donc là ça marche, voilà. Preuve par A plus B, donc ça marche. Steam, ben voilà, j'ai fait quelques lives sur Steam, mais Steam... Ta-da-da-ta-da. Et puis les drivers Nvidia, bah, je les utilise forcément pour jouer. Mais voilà, tiens, Steam se lance. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et forcément, j'utilise les pilotes Nvidia. Donc voilà. Donc tout ça, ça marche, hein, pas de problème. Euh.
surcalculé de ses Prime ou Bumblebee. Alors moi, moi j'utilise Bumblebee parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec toute la doc Gen 2 qui montre comment utiliser Prime. Mais Prime fonctionne sur Gen 2, donc il suffit de suivre à la lettre le tuto de Gen 2. Et normalement, ça marche sur Calculate, forcément, puisque Calculate est 100% compatible Gen 2, mais vu que j'ai pas envie de casser ma configuration qui marche, eh ben, j'ai pas testé. Voilà. Et puis, j'ai pas envie d'installer en dual boot une deuxième Calculate juste pour faire ce test-là. Donc voilà. Mais c'est bien Bumblebee, hein, donc OptiRun GLX Sphere, là, hop, voilà. Par exemple. Et hop, voilà, on a le pilote Nvidia qui se met en route avec ça. Donc soit il y a la commande OptiRun, soit il y a la commande PrimusRun. Voilà, les deux fonctionnent. Tadam. Voilà, donc ça marche. Hein. Donc voilà, après si tu veux demander les infos, je te conseille... Ah bah oui, t'es un Telegram. Non, si Telegram c'est libre. Si tu veux demander, si tu veux avoir des petites infos ou des petites choses, si t'as des soucis, je te conseille, on est plus présent sur Telegram que sur IRC, parce que Telegram, je l'ai sur le téléphone, IRC, c'est compliqué de l'avoir sur téléphone sans embêter ceux qui sont sur le canal IRC avec des machin est parti, parce que la connexion, elle saute. Mais on est sur Telegram. Telegram, il est sur le téléphone dans la poche. Donc je l'ai à peu près partout. J'essaye de répondre, de voir les messages, mais bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais sur Telegram, on peut aider, hein, y a pas de souci. Et l'avantage, c'est que si tu pars de Telegram puis que tu reviens après, tu vois l'historique. Voilà, voilà. Non, il n'y a pas de Discord. Ah ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me demande est-ce qu'il y a un Discord Adrien Linux Tricks. Eh bien non, il n'y a pas de Discord Adrien Linux Tricks parce que il me faudrait du temps pour administrer, gérer ça et des modérateurs et des machins. Puis non. Il y en a assez des Discord, hein, ça sert à rien d'en faire un de plus. Donc, non. J'utilise un peu Discord sur quelques salons que je squatte, mais non. Pas de Discord Adrien Linux Tricks, ni Linux Tricks non plus. Non, j'ai pas parlé de Torsox. Parce que c'était pas vraiment de la ligne de commande. Enfin. Peut-être on peut l'utiliser en ligne de commande, mais. Non, j'ai pas abordé le sujet. Voilà. Non, je vais pas sur Twitch. Donc voilà, je reste sur YouTube. YouTube fait de la vidéo, très bien. Donc je reste sur YouTube. Mais je vais pas sur Twitch, non. Quand je fais des lives jeux vidéo, c'est sur YouTube et pas sur Twitch. Avec Sipo Matador du Cosmos, on voulait faire un truc sur Twitch et puis ça s'est tombé à l'eau. Puis j'ai pas envie de. Non. Je connais YouTube, YouTube fonctionne, donc je reste sur YouTube. Voilà! Sur ce, eh ben c'est pas le tout, mais tout à l'heure j'ai dit on va arrêter. Allez, allez, dernière question. T'as regardé G-Radio. Je connais de nom, j'ai vu la vidéo d'Actualia à ce sujet. Je sais même pas s'il est dispo. Non, il est même pas dispo sur Calculate. Donc, ouais, si c'était toi qui m'avais posé la question sur récupérer les flux de radio, il y a G-Radio. Oui, il y a G-Radio, il y a flux HTTP, là, enfin flux radio blogspot.com, là il y a un blog qui est pas mal, mais bon, pour les petites radios, il n'y a pas forcément. Voilà. L'installateur de Calculate, il y a un moyen de remplacer la partition comme sur Manjaro. Alors, l'installateur de Calculate est assez rustique. Moi, ce que je te conseille, sur le Live CD de Calculate, il y a un KDE Partition Manager pour KDE ou un Gparted pour mater et tout ce que tu veux pour le reste. Et du coup, je te conseille, moi c'est ce que je fais toujours, même dans une machine virtuelle, je fais mes partitions avec le gestionnaire de partitions, et après au moment de l'installation, je lui dis, telle partition, je monte sur tel point de montage. Je fais mes partitions avant, parce que c'est compliqué. Voilà. Et pour répondre à Super Mario S, KDE ne te manque pas depuis ton passage à Maté. Alors, mon passage à Maté, j'ai regardé rapidement, il y a peu de temps, je l'ai fait à la mi-mars. Donc je ferai, ce sera... À mon avis, hyper compliqué pour moi. Là, à partir de là, je pense qu'il y aura même peut-être pas de vidéo jusqu'au mois d'avril. Ça va être très compliqué pour moi. Mais
Si j'ai l'occasion de faire une vidéo, j'aimerais bien faire la vidéo des, effectivement, des 1 an sous maté, parce que ça va faire 1 an sous maté. Faire un petit bilan là-dessus. J'aimerais bien. De faire, j'avais dit qu'au mois de novembre, je ferai mon bilan des 2 ans sur Gen 2 maté dans la machine virtuelle. J'ai toujours pas fait. Voilà, ça c'est les petites vidéos bilan. Ma vidéo bilan 5 ans sous Calculate Linux, bah, je l'ai fait. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais oui, dans l'installateur, Antoine, tu peux choisir la partition qui va bien. Et puis lui dire j'installe ça. Quoi. Alors, Serge, pour répondre, enfin, c'est même pas une question à ton affirmation. Non, il est hors de question que je passe sur XQT. Pour plein de raisons. Raison numéro 1, c'est pas encore abouti. Raison numéro 2, ça manque quand même d'outils qui vont bien dans l'environnement de bureau. Je trouve que PCMan FM, alors oui, on peut remplacer par Dolphin ou ce qu'on veut, mais je trouve que les outils de LXQT sont trop minimalistes. Après, j'ai 8 Go de RAM, c'est pas pour courir à l'environnement de bureau qui prend le moins de RAM. Mais c'est pas pour prendre un environnement de bureau qui est une usine à gaz. Mais je prendrai pas LXQT parce que forcément il est basé sur Qt. Donc j'imagine que le gestionnaire de fichiers, même si on peut le changer, et les applications se basent sur le magnifique KIO pour gérer les accès au disque Samba, enfin au partage réseau, à tout ça, au MTP, et ça c'est une stricte horreur toute pourrie, moisie. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait partir de KDE, c'est-à-dire que si tu veux regarder une vidéo qui est sur un partage Samba, eh bien, c'est con, hein, mais si la vidéo elle fait 3 gigas, ou que tu veux ouvrir un fichier qui est énormément gros, eh bien, KIO télécharge l'ensemble du fichier sur le PC en local, et après, il l'ouvre, ce qui fait que pour un fichier vidéo, tu double-cliques dessus, t'attends un bon moment avant qu'il se lance, et après, il se lance. Avec GVFS, il sait quand même streamer, enfin, le fichier se lance tout seul, quoi. Et le MTP, c'est pas au point du tout. Là, depuis que je suis sous maté, enfin je le dirai dans ma vidéo bilan, mais depuis que je suis sous maté, je branche mon téléphone mobile, et ben ça marche du premier coup. Et je me casse plus la tête à me dire, moi sous KDE, ah non, détecte périphérique non détecté, faut que je débranche, je rebranche, je réessaye, j'essaie avec KDE Connect, ça marche pas, ça marche. Non, là, c'est des petites bricoles qui font que, voilà, ça marche sur maté, voilà. Après, XFCE. Non, c'est trop léger. C'est super personnalisable, hein, XFCE. Mais, tu vois, regarde, ces touches-là, là, avec FN, voilà, pour diminuer le rétroéclairage du clavier, diminuer la luminosité, monter, descendre le son, ces touches de raccourci ne fonctionnent pas avec des environnements de bureau QT4 et GTK2. Donc, sous XFCE, ça marche pas. J'avais réessayé récemment avec un live CD de Manjaro XFCE. Là, j'ai dit, tiens, on va prendre un truc qui est récent. Bah, j'ai certaines choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est un peu vieillissant GTK2. Voilà. Et maté étant GTK3, ça marche quoi. MTP avec une carte SD, ça marche pas. Avec maté, ça marche pas. Bah tiens, regarde, je te montre juste un truc. C'est bien, j'ai dit tout à l'heure que je partais, mais je suis toujours pas parti. Voilà. Regarde. Je prends mon super téléphone. Je le branche. Alors, je le déverrouille, évidemment. Je branche le téléphone dans le PC. Voilà. Avec mon super Android à 100€. Super Samsung. Voilà. Boum, je branche. Et là, c'est magique. Devrait s'ouvrir le truc, c'est là que ça va pas marcher. Voilà, tada! Ça marche direct. Donc voilà, j'ai mon super téléphone monté en MTP ici, hein, MTP USB, blablabla. Ici, si je vais sur phone,
j'ai mon truc, donc là je vais pas vous ouvrir ce que j'ai à ouvrir, mais si on va par exemple dans je sais pas moi, le problème c'est que j'ai pas de vidéo. Si je vais, bon, peu importe, dans picture j'ai rien, voilà, screen, ouais non, je vais pas montrer des trucs que j'ai pas envie de vous montrer, mais par exemple là, créer un document fichier vierge, oui non mais à la racine j'ai pas le droit, je vais mettre là dedans, voilà, créer un document vierge, ah non j'ai peut-être pas le droit de créer, attends, voilà, là par exemple, je prends ça, copier, coller, là, ça marche, ok, ma vidéo, ça marche, je supprime. Pas le droit de créer un fichier direct. Et là, si je retourne sur mon téléphone, que je vais dans Card, et puis que je me mets dans, bah, par exemple, dans Adrien Musique, peu importe, je fais clic droit à coller, ben, sur la carte SD, forcément ma musique, je la mets comme ça, par copier-coller, ben, ça marche aussi. Hop, je vais rafraîchir quand même, parce que... Le dossier est gros. Voilà. Voilà le truc qui marche. Et là, out of box, ça marche. Donc, je sais pas. Non, non, je montre pas les photos. Je montre pas les photos. Donc voilà, ça marche quoi. Même sur la carte SD, que ce soit card ou phone, là, les deux, ça marche. Donc je sais pas si c'est avec calculette maté. Là, faudra qu'on voit ça un petit moment ensemble. Mais il y a sans doute un truc pour ça. Voilà. Donc je débranche ça. Puis c'est pas le tout, hein, mais ça fait quand même 3 heures que je parle, là, non. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter tous ces lives et ces compagnies, là, parce que c'est pas le temps, mais... On va aller se coucher, hein. Non, je fais exprès, hein. Mais on va peut-être aller se coucher, hein, ce serait pas mal. 3 heures. Hein. Ceux qui veulent voir le replay, ils vont halluciner, ils vont se dire waouh, la vidéo de 3 heures, mais c'est un truc de fou ça. Enfin bref, on regardera ça ensemble. Et puis moi, du coup, ce que je fais, bah, je vais couper le live. Hein. On peut rester encore 5 minutes pour discuter, il n'y a pas de souci. Le chat va être encore actif. Moi, ce que je fais, ben, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée qui est vite entamée, hein, finalement. Une bonne nuit. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Le C'est quoi qui dit pour le mois d'avril, on verra bien. On verra bien ce qu'on fera. Un live de 24 heures, on pourra le faire, pourquoi pas. Mais bon, faudrait peut-être que je dorme, cool, hein, quand même. Il y a moyen. On pourrait le faire, ça, pourquoi pas. Mais bon. Bref, on va arrêter de dire des conneries. Je coupe le live. Prochaine vidéo, elle sera je ne sais pas quand. Et pour le C'est quoi qui dit du mois d'avril, eh ben, je vous préviendrai en temps et en heure. Sur ce, je vous dis à ciao.